Coucou Comment allez-vous ah, Début de nouvelle semaine et euh, Ah Excusez-moi. Oui, c'est pas l'installation la plus. Euh, c'est pas l'installation la plus euh, solide. Euh, coucou à vous. Comment allez-vous bien euh, Je vous avoue, moi je suis un peu... Euh, vous voyez la taille des cernes non. Euh, euh, ça fait quelques jours, on a travaillé tout le week-end euh, avec l'équipe euh, euh, pour, pour les deux semaines de conférences qui arrivent. Et notamment, bah, moi, je travaille beaucoup sur la conférence de ce soir et d'autres qui arrivent. Donc, euh, je vous avoue, je n'ai pas beaucoup dormi. <laughs> Mais je vais faire de mon mieux. Je vais faire de mon mieux. L'objectif, c'est que vous ayez une super conférence ce soir qui puisse vraiment vous aider et vraiment vous faire euh, monter en niveau et vous apporter plein de valeurs et tout. Donc. Euh, euh, S'il si, si s'avère euh, qu'elle apporte ça, bah dans ce cas-là, euh, euh, toutes ces nuits blanches auront servi à quelque chose <laughs> Faut garder la patate, faut jamais oublier euh, pourquoi on fait ce qu'on fait et, euh, Moi ce que je fais c'est pour vous, et c'est quand je pense à ça que ça me motive Oh, comme je suis gentil, non c'est vous qui êtes gentil euh, Tu aurais dit, ah, bah, ça me fait plaisir en plus, euh, on a du monde, bonjour à tous, je que vous avez la patate euh, j'ai l'impression que les gens ont un peu moins la patate avec moi euh, depuis, que, euh, depuis que le premier projet de réseau est tombé, hein, assez incroyablement. Hein. Ça, ça, je l'avais annoncé hein, qu au début, euh, j'ai juste un rôle de coach parce que, euh, entre guillemets, je ne suis pas vraiment prof. Ou quand je suis prof, c'est pour des cours de soutien, d'harmonisation. Je fais ce genre de cours, généralement, je fais les cours de soutien, je fais les cours d'harmonisation, je fais les trucs comme ça. Et euh, du coup, qui ne sont pas vraiment liés à une note, et j'arrive pour aider par rapport à d'autres personnes qui font des projets. Et les gens se rendent, ah putain, tu vois, il est trop gentil et tout ça. Et puis ensuite, ils ont un vrai cours avec moi, et je dis, il bah, y a ça à rendre, et il y a ça à faire. Et ils se rendent compte qu'en fait, bah, quand je demande de travailler, je demande de travailler. Et là, les gens font, ah oh, putain, en fait, il est méchant. <laughs> Donc. Euh... <laughs> Donc euh, j'ai conscience des trucs, euh, mais j'espère que vous euh, que vous prenez ça avec maturité. Euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui galèrent sur le fait d'installer la VM. Euh, C'est, euh, je vais être obligé d'être un tout petit peu méchant. Euh, euh, officiellement, euh, la méthode recommandée du CRI d'utiliser l'environnement, c'était de mettre la VM du CRI. Et donc que vous êtes capable de mettre une VM parce que vous avez mis la VM du CRI. Et on avait dit que toute personne qui n'utilisait pas la VM du CRI euh, était assumé la responsabilité était dans son coin. Donc les gens qui se découvrent que maintenant ils n'arrivent pas, pas à mettre une VM euh, sur VirtualBox par exemple, bah, tu es censé profiter du temps euh, avec la piscine et tout ça pour contacter les assistants route, euh, les assistants, euh, pour pouvoir installer une VM. Quoi. Euh, moi je suis parti du principe de ça. Mais bon, euh, c'est aussi pour ça que j'ai mis une semaine pour faire le projet, parce que ce qu'il y a à faire en pratique, une fois qu'on a installé GNS3, ça fait vraiment 30-45 minutes. Et donc l'idée, euh, c'était, euh, on se fait un peu chier à installer la, le produit, mais une fois que c'est installé, c'est tranquille. Bref, on n'est pas là pour parler de réseau <laughs> aujourd'hui. C'est un cours d'harmonisation. Et euh, oh, il ouais, y a quelqu'un qui dit qu'il qu qu aime bien le cours de réseau. Oh, il dit ça pour me faire plaisir. Bref, euh, on est là pour parler d'harmonisation. Attends, je vais me remettre ici. J'avais bougé ça pour le cas euh, du réseau d'ailleurs. Et euh, qui dit harmonisation dit la magnifique session avec sa magnifique clé. Et la clé d'aujourd'hui est De unk De unk 5B Je copie ça dans le. Dans los chatos. De unk 5B. Je devrais peut-être le mettre sur le. Je sais pas comment faire. Le mettre dans, la, dans les annonces, ça. Ah, euh, est-ce que, euh, est que la question du, du café des Harmonieux est hors sujet à qu'à part de réponse euh, Non, en fait, c'est juste que je, je, je pensais y répondre là, en cours. Euh, euh, ah, non, effectivement. Euh, en fait, je, 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 je l'avais vu, mais en fait, c'est juste que je, je pensais y répondre en cours plutôt qu'y répondre, euh, qu répondre par écrit. Mais my bad, effectivement, j'aurais peut-être dû y répondre, euh, y répondre par écrit. Euh, donc excuse-moi c'est ma faute mais non non la, la question n'est pas, pas du tout hors sujet donc je, je remonte la que, je remonte la question euh, la question était ah attendez je peux pas la montrer parce que euh, parce qu'il y a des noms dessus Je j'ai pas envie de, de mettre des noms euh, euh, je sais pas si la, la question est euh, je ne sais pas si l'endroit est bien choisi mais j'ai quelques questions au niveau matériel euh, je m'explique, j'ai actuellement en position un ordinateur portable qui me sert de machine de travail ainsi que de machine personnelle. J'aimerais savoir si, sur le long terme, il est recommandé d'acheter un ou plusieurs écrans qu'on pourrait connecter à sa machine pour un meilleur confort visuel et peut-être pour un travail plus efficace. Si c'est le cas, est-ce que tu aurais des recommandations sur les écrans ou autres pièces de hardware utiles pour nos trois années à l'Épita et même notre vie professionnelle euh, Donc, en vrai, c'est une très très bonne question. Et oui! Et alors, en termes d'écran en particulier, je pourrais pas te recommander des écrans en particulier. Je peux te dire que si tu cherches des écrans, moi généralement, quand je veux acheter du matos, je fais un tour sur euh, Logical Increments. C'est plutôt les trucs orientés euh, gamers, mais c'est des gens qui, pour chaque tranche de, de budget, euh, donnent des, des configurations matérielles. Et ils ont un guide sur les moniteurs. Pourquoi je ne le vois pas ici Ils en ont un spécial sur les moniteurs. Hein. Monitor. voilà le Monitor guide je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas vu dans le, dans le menu euh, et ils ont tout un guide euh, au, au niveau euh, de ça donc tu peux squeezer euh, tout ce qui concerne euh, euh, tout ce qui concerne les trucs pour gamers mais pour regarder au niveau des, des trucs professionnels euh, bon évitez celui-là hein. <laughs> vous pouvez prendre celui-là à 30 000 il est très marrant euh, mais c'est pour l'histoire de ah, Si, c ça ne nous concerne pas euh, mais d'une manière générale, s'il y a un objet que je recommande, alors déjà le fait d'avoir plusieurs écrans, ouais, le fait d'avoir plusieurs écrans c'est euh, quelque chose qui est, euh, qui est généralement assez, assez pratique. Moi par exemple, j'ai deux écrans là tout de suite, et quand je, quand je programme, je trouve ça très pratique, même si je suis en tiling manager, d'avoir un Firefox avec de la doc à côté, mon écran qui est là, ou un chat qui est là et tout ça. Euh, généralement, quand euh, je me sers beaucoup, je vois, je vois des gens euh, Marin par exemple, euh, Mario, lui il a, euh, lui il a carrément trois écrans, je crois. Euh, moi généralement je tourne avec deux parce que j'ai pas trop la place chez moi. Euh, mais euh, j'ai un écran principal de travail et un écran à côté de référence et personnellement je trouve ça extrêmement pratique et j'aime bien, euh, j'aime bien, euh, j'aime bien jongler avec ça. Et euh, si on a un laptop. Euh, le gros outil, j'essaie de le retrouver, ce que je vous concerne, c'est un dock. Donc, un dock, qu'est-ce que c'est Une docking station En fait, c'est un, un appareil un peu comme ça, sur lequel vous allez pouvoir brancher votre, euh, votre laptop par une seule prise. Et sur ce dock se trouve comme prise. Euh, euh, la totale vous allez trouver une prise de, de l'usb pour mettre clavier souris écran euh, tous les périphériques euh, physiques et en gros tout ce que vous avez à faire c'est prendre votre laptop euh, vous le branchez dessus et automatiquement il est connecté euh, au clavier à la souris au, euh, aux écrans et vous pouvez travailler comme si vous étiez en comme si vous étiez en comme si vous étiez sur un physique et donc, vous avez un peu le, le mélange des deux. On est plusieurs à avoir ça. Donc, euh, à peu près tout le monde à Epita, dans le corps enseignant, euh, qui, a, qui a un laptop, euh, travaille comme ça. Euh, moi, par exemple, au bureau, j'en ai pas un chez moi, mais euh, au bureau, j'ai un doc. Je travaille dans, dans deux grandes salles, et dans chacune de ces salles, euh, j'ai toute une station de doc avec à chaque fois des écrans, claviers, souris, blablabla. Euh, Gabi je crois il en a carrément un, un en plus chez lui et donc à chaque fois il se trimballe avec son laptop et euh, une fois qu'il rentre chez lui il a juste à brancher le laptop et bam il a tout un environnement et c'est quand même beaucoup plus simple que travailler sur laptop euh, donc il y, y a des docs spécifiques si vous êtes sur un ThinkPad mais sinon vous pouvez avoir un truc qui se branche externe et ça se branche en, en, USB, en, en, Thunder, en Thunderbolt. Le Thunderbolt c'est une sorte de USB 3, c'est la même prise que le USB 3, enfin que le USB-C, sauf que le Thunderbolt c'est, euh, je ne sais pas si vous connaissez en termes de connectique, c'est méga violent. Euh, le Thunderbolt c'est une connectique, quand vous la branchez, euh, Bah en fait elle vous fait... Euh, elle a de quoi faire passer deux HDMI et euh, deux USB 3 euh, sans problème. C'est méga violent en termes de débit le Thunderbolt. Ça peut faire du, du, du double 4K quoi. Donc euh, vous pouvez y aller. Euh, Technology Connections a fait une vidéo là-dessus, je ne sais pas si vous connaissez la chaîne Technology Connections. Euh, ça. Donc si vous ne connaissez pas euh, ce monsieur-là, euh, ce monsieur-là, c'est Technology Connection. J'adore ce type. Euh, tout le monde adore euh, parler de euh, euh, comment ça s'appelle, euh, des grandes chaînes euh, d'explications euh, techniques. Et lui, c'est pas le plus connu du monde, et je trouve qu'il est vraiment excellent. Surtout, et vous savez, vous savez quels sont mes centres d'intérêt, parce qu'il a une playlist sur euh, l'histoire du son artificiel. Euh, et en partant du téléphone jusqu'à les disques et comment ça marche et tout ça euh, toute une histoire sur le, sur le son numérique et d'une manière générale toutes ces vidéos c'est prendre des objets et savoir comment ils expliquent quoi comment ça marche un four euh, comment ça marche un machin euh, comment ça marche tous ces trucs là et il a fait une vidéo sur les docs euh, donc je vais, je vais probablement la linker euh, sur le euh, euh, sur le sur le Moodle euh, pour ceux que ça intéresse mais en tout cas euh, ce mec là est très très bien Regarde, regardez sa chaîne elle est trop bien euh, bref donc voilà, euh, j'espère que, voilà, que ça, a répondu à ta question. Euh, donc voilà, voilà pourquoi je ne voulais pas y répondre par, par écrit. J'ai un peu répondu en cours, mais effectivement, les prochaines je vais y répondre par écrit. Désolé, euh, c'était un peu en mode qui proco. <laughs> Alors, euh, petit souci, j'arrive pas à voir le v box Ned. Euh, bah, je pense que je, je te filerai un coup de main euh, après ce cours, hein, potentiellement. Alors cet après-midi, je suis euh, giga euh, sous l'eau, je t'avoue. Euh, mais si tu es dispo, euh, si j'ai un peu de temps, euh, pingue-moi, euh, poste-le sur le forum, plutôt le forum de réseau, du coup. Euh, et euh, le cré, ça marche pas et tout ça. L'idéal, c'est si tu arrives à faire des petits screenshots, voire carrément une petite vidéo ou n'importe quoi, euh, pour montrer le problème, ça peut aider beaucoup plus. Euh, et on, et, on, et on pourra jeter un oeil je te garantis pas aujourd'hui que j'ai des dispos mais je fais mais demain je dois avoir de la dispo par contre j'ai euh, j'ai 700 élèves donc <laughs> voilà le, le plus simple c'est poste un truc avec une vidéo et surtout poste-la sur le forum ou sur un endroit public comme ça on peut mutualiser la connaissance euh, et, on, et on pourra faire ça mais à tous les coups ça doit être un truc tout con et on va pouvoir te débloquer relativement rapidement euh, voilà alors euh, donc, on n'avait pas plus de questions. Euh, et d'une manière générale, euh, je vous avais demandé de. Euh, je vous avais demandé euh, de me dresser un peu la liste des choses que vous voulez qu'on aborde et n'importe quoi. Euh, vous ne l'avez pas vraiment fait, je vous en veux pas. Si hein. vous n'avez pas d'inspiration, vous n'avez pas d'inspiration. Euh, C'est les choses qui arrivent. Et puis. Euh... puis J'imagine que vous étiez relativement occupé ces derniers temps. Je peux comprendre, hein. il y avait un truc qui s'appelait Maloc. Euh. Mais du coup, comme vous l'aviez vu, comme je vous l'avais dit au tout début, j'ai deux cours avec vous. dont les deux s'appellent harmonisation, mais on a PROG-H et ALGO-H. Harmonisation en programmation et harmonisation en algorithmie. Et ce que je vous propose, c'est de commencer à s'attaquer, un peu mélanger les cours, même sur Chronos, il y a marqué que c'est PROG-H et que c'est pas ALGO-H, c'est de commencer à parler un peu de. Euh, J'arrive plus à parler, c'est incroyable. De, 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 com de commencer à parler euh, d'algorithmie plutôt. Parce que euh, je pense que là, en prog, euh, là tout de suite, j'ai pas trop d'idées, d'autres trucs à vous montrer. J'ai l'impression que si on refait des exercices et qu'on les code, on va principalement radoter et parce que malheureusement la volumétrie me permet pas, euh, j'ai pas trop d'idées de, de système qui me permet de vous faire programmer, vous faire de la revue de code euh, vous faire des machins, des petits trucs dynamiques autant quand on serait vraiment en cours je disais allez-y voici un problème, euh, je vous regarde codez un peu, je passe dans, la, je passe dans les rangs, je vous file un coup de main euh, là la vidéo vous êtes en train de coder et moi en stream je suis en train d'être comme ça euh, c'est pas enfin, si vous avez des idées pour faire un format qui a sens, je suis preneur, euh, mais là toujours est-il que je vous propose de, de mettre de côté pour l'instant la programmation euh, parce que je pense qu'on a suffisamment fait, et euh, commencer à s'attaquer à l'algorithmie. La, à Donc, le but de, ici de l'harmonisation en algorithmie, c'est vraiment de euh, rattraper et de, de compenser un peu euh, tout ce qui a été vu formellement en algorithmie, en prépa intégrée à Epita, euh, parce que le programme d'algo est assez conséquent. Le programme d'algo euh, de de notre prépa est assez conséquent et probablement euh, beaucoup, plus, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus complexe et beaucoup plus rempli que les cours d'algorithmie euh, que vous avez pu avoir en prépa externe. Et même s'il si a commencé à avoir un peu des cours euh, d'algo en... En cyclingé, je ne sais pas si vous avez commencé à les avoir. Euh, vous avez sûrement vu qu'ils qu ont une approche qui est euh, beaucoup plus académique, beaucoup plus théorique, ce qui est important, hein, euh, mais qui peut-être est euh, laborieux euh, élaborieux pour vous parce que vous n'avez pas forcément la, la familiarité avec ces trucs-là. Euh, ah, bah attendez, justement, il y a une question. Je ne sais pas si je suis seul, mais j'aurais bien aimé un cours sur comment passer une ligne de commande efficacement en respectant la coding style. Ouh! Ouh! Euh, avec GetOpt, euh, euh, la, la, euh, parcer les options de ligne de commande, c'est toujours la merde. C'est euh, universel, c'est toujours la merde, c'est toujours chiant. Euh, je sais pas si là tout de suite euh, j'arriverai à le faire correctement sans faire de la merde. <laughs> euh, je t'avoue, ça fait très longtemps que j'ai pas touché à GetOpt et sur les trucs comme ça. Euh, donc j'ai un peu peur de, de, de m'en occuper cash euh, mais je peux euh, mais je vais jeter un oeil et je vais essayer de, de revenir là-dessus pour le prochain cours ce qui normalement devrait être à temps pour 42SH donc ce que je te propose c'est euh, je, je n'oublie pas la question et euh, tranquillement je me renseigne pour essayer de, de faire un joli truc j'ai pas envie de répéter le fait où je me lance dans un truc que je maîtrise pas trop et vous me voyez en cours en train de faire comme ça <laughs> et j'ai aucun scrupule à dire que forcément euh, j'ai pas toujours la réponse à tout euh... ah bah il y a des gens qui joignent le channel bonjour <laughs> t'as quelques semaines de retard <laughs> euh... bref <laughs> euh... donc ouais euh, on va garder ça au chaud je vous le ferai euh, le... la conférence de ce soir peut potentiellement vous aider euh, vu que je ah, je fais pas de la, du parsing d'un de, de, de commandes, mais je fais du live coding ce soir euh, la conférence de ce soir est une conférence de live coding où je vais parler de tests fonctionnels tests unitaires et comment aborder un problème comment le découper euh, c'est un peu reprendre ce que j'ai fait avec la euh, avec la la vidéo euh, euh, ici de bonus celle que j'avais fait à 2h du mat La fameuse euh, Cette, cette fois-ci l'objectif c'est de la faire euh, C'est de la faire plus propre euh, Un peu mieux et euh, self-contain Et en reprenant un peu tous les, tous les éléments importants Et euh, sous le fait d'une conférence qu'on fait avec, euh, avec les assistants et j'ai conf et blabla Et tout ça euh, Donc avec un peu de chance dedans il y aura des éléments Qui t'aideront euh, pour ça Je me rappelle ma question Est-ce que c'est possible de pré-commit avec l'application Ubuntu alors, Ubuntu n'est pas une application. Ubuntu c'est juste un OS et il aura aucun problème. Pré-commit c'est un truc qui se fait avec Git. Donc, quel que soit l'OS que tu utilises, que ce soit un Ubuntu, un Linux, un Mac ou n'importe quoi, si ça a du Git, ça, ça fait faire des pré Donc, euh, oui, il n'y aura aucun problème. Ubuntu c'est juste un OS comme un autre, c'est une variante de Linux comme une autre. C'est pas donc euh, ce qui fait les pré c'est euh, Git. Donc, tant que ton truc fait tourner Git, euh, tu auras les pré euh, ok, donc ouais, comme je, euh, comme j'ai dit, ce que je vous propose, alors d'une manière générale, comme je disais, ouais, euh, essayez de, euh, je suis un peu chiant, hein. essayez sur les questions que vous avez, euh, comme je vous ai dit, de me les donner en amont. Euh, surtout euh, la dernière fois, là, là ça c'est plutôt calme. Euh, mais ce qui se passe, c'est que du coup, comme il n'y a pas eu de, j'essaie de préparer mes cours. Je, je, je sais que je donne l'impression de les faire en impro, mais j'essaie un minimum de les préparer en vrai. Et comme là il n'y avait pas de, comme là il avait pas de, de questions et d'idées de... de choses à traiter, moi j'ai préparé un truc où je vais parler euh, d'algorithmie et de structures de données. Mais du coup, quand je regarde la question, j'ai en, envie de le faire. Et euh, à la place, du coup, vous me spammez les questions euh, au début du euh, au début du cours, ce qui d'une part a l'impact que je suis obligé d'y répondre en live, et si c'est une question qui est un peu touchy, je ben j'ai pas le temps d'y répondre, ou bien euh, je me sens pas je me sens pas même d'y répondre. Et deux, du coup, entre guillemets, ça bouffe du temps. Enfin, ça bouffe du temps. On est là pour ça, pour répondre à sa question. Hein. Euh, mais ça me prend du temps par rapport à du coup ce que j'ai prévu parce que vous n'aviez pas posé de questions. Vous voyez le problème? Et du coup, je me retrouve à le traiter en urgence ou à louper des bouts ou à n'importe quoi. Donc vraiment. Euh, ce que je vous, euh, ce que je, vraiment ce que je vous recommande de faire, ce que je vous suggère de faire, et pour ma petite santé mentale, pour mon petit cœur, c'est voilà ce, toutes les questions que vous avez, posez-les moi en amont, que ce soit sur le chat, je regarde le chat euh, même quand il est pas, euh, même quand on n'est pas en cours, sur le forum. Alors certes, sur le forum, je pensais y répondre en live plutôt que répondre à l'écrit, mais si vous voulez maintenant les questions rapides, je peux les répondre, euh, je peux les répondre directement et euh, dire que je répondrai en live lors des cours si c'est pas le cas ou n'importe quoi. Euh, et... Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Mais voilà. <laughs> mais, mais parce que sinon, c'est relativement impactant pour moi. Mais bon, là, là, ça va. Euh, on est obligatoire de le faire sur la VM que je n'arrive pas bien à télécharger. Euh... euh oui, enfin fait, tu as juste à suivre le tuto de la piscine. Effectivement, ça, c'est les tutos de la piscine qui est Si tu as des difficultés à, avec ça, je te conseille plutôt de te rapprocher des, euh, des, des assistants euh, qui sont plus à même de, de t'aider là-dessus. Euh, bref, euh, je vous propose, je me focalise un peu euh, sur les structures de données. Je regarde juste s'il y a encore euh, une petite question parce que j'en vois qu'ils sont en train d'être rédigés Et si c'est pas une question, euh, j'avance un, un peu sur la structure de données. Euh, et en attendant, je vais parler un peu de, de bibliographie. Donc, euh, je, je regarde juste, j'attends juste. Ah, ça fout la pression, hein. E typing mmh, Mais qu'est-ce qu'il est en train d'écrire mmh. Ah, c'est stressant de savoir qu'on est en train de te regarder. Ah, euh, je n'arrive pas à copier de. Euh, je t'invite plutôt à te rapprocher au niveau des, euh, au niveau des assistants. Euh, et en, pendant les permanences, je pense qu'ils seront plus à même que, que moi à t'aider là-dessus, parce qu'ils pourront faire un partage d'écran avec toi, euh, t'aider là-dessus et, et ce genre de choses. Euh, bref. Du coup, euh, comme je disais, euh, on va faire un peu d'algorithme et de des structures de données. Et pour ça, euh, je commence à vous parler un peu de bibliographie. Je commence toujours par la bibliographie. Et il y a euh, deux grands euh, bouquins. Que je, vous, euh, que je vous conseille. Donc le premier c'est vraiment le bouquin classico classique que tout le monde sort en en, en algo c'est la bible de l'algo c'est euh, le bouquin que tout le monde utilise c'est le Cormen. Alors c'est un peu salaud qu'on appelle le Cormen parce que c'est un bouquin qui a quatre euh... Euh, non je vais pas sur les liens Amazon parce que je boycotte Amazon je clique jamais sur les liens Amazon. Euh... Où est-ce que je peux trouver... Euh... Non, voilà. Euh, introduction to Algorithm. Donc lui, euh, c'est un peu salaud parce qu'il a, euh, euh... a quatre auteurs. Hein. C'est Cormen, Lesserson, Rivest et Stein. Mais euh, tout le monde l'appelle euh, Le Cormen. Euh... Et c'est vraiment euh, le bouquin. Je dois l'avoir, il doit être pas loin. Ah non, je vais peut-être laisser chez les parents celui-là, désolé. Euh, mais c'est un peu, il fait pas un peu partie des bouquins que tout le monde a chez soi. Hein, vous savez, il y a un certain nombre de, de, de bouquins de, de bibliographies un peu euh, euh, ultime, enfin ultime, non, mais de bibliographies je dirais un peu essentiel euh, que je considère, que tout le monde un peu considère euh, dans le dans le panthéon, on va dire, de toute la bibliographie euh, d'informaticien, et que tout le monde doit avoir ça dans sa bibliothèque. Euh, le Cormen en fait partie. Donc c'est Introduction to Algorithm. Tous les cours d'Algo, euh, les cours d'Algo de 95% des, des facs américaines et des écoles d'ingénieurs françaises euh, déroulent ce bouquin. C'est vraiment euh, le bouquin de référence. Mais moi personnellement, je trouve qu'il se fait un peu vieux. Euh, et je trouve qu'il est parfois relativement habitable parce que trop académique. Pour moi, c'est vraiment un bouquin de référence en mode euh, mais c'est pas un livre de chevet quoi. C'est un bouquin que je sors lorsque j'ai un doute sur euh, un algorithme et que euh, ce que je lis sur internet se contredit ce que je lis sur machin, je ne suis pas entièrement sûr, je machin, je ouvre ce bouquin et c'est lui qui va avoir raison généralement. Sauf s'il y a des améliorations et des trucs comme ça. Euh, donc, il fait vraiment partie euh, des bouquins. Mais celui moi que je vous conseille, c'est euh, un autre. Alors lui, il est vachement cool. Hein. Je vous conseille de l'avoir tôt ou tard. Mais euh, celui plutôt que je vous conseille de choper, euh, c'est le Skiena, le Algorithm Design Manuel. Euh, lui, non, ça, c'est le PDF. Ah là là, je ne veux pas cliquer sur les PDF parce que sinon, je donne l'impression d'être un, un vilain. Euh... Un vilain, un vilain hacker et vilain pirateur, et euh, je refuse de passer pour un pirateur. Donc, oulala, faites très attention, surtout, faites très attention. Hein, si euh, vous tapez euh, PDF à côté du nom du truc, vous risquez de tomber sur le PDF. Faites très attention et ce ne serait pas bien du tout. Euh, donc, surtout, ne le faites pas. Bon, en vrai, euh, je vais juste ouvrir le PDF juste pour montrer la table des matières. Parce que vous allez voir que la table des matières va vraiment dérouler euh, les choses qu'on veut. Et l'avantage de... Je ne vais pas plus loin que la table des matières. Donc c'est vraiment un extrait gratuit. Euh, le reste, euh, vous le chopez par des moyens légaux. Et moi, je ne vais pas vous dire euh, comment choper des PDF. Euh, mais euh, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il l'écrit sous un style qui est vraiment extrêmement, euh, extrêmement simple. Euh, il est vraiment écrit pour des êtres humains. C'est vraiment un tutoriel, ce truc-là. Ce pas écrit dans une syntaxe vraiment euh, absconse. Donc euh, vraiment, euh, ouais pas le PDF, mais je vais juste sur le, je vais juste sur le, j'en suis à parler. Sur la table des matières, on va parler un tout petit peu euh, de notation, d'algorithmie. surtout on va parler du grand O. Il faut en parler un peu rapidement. Et le gros truc qu'on va faire pendant le cours, c'est les data structures. On va pas trop parler du reste, mais on aura parlé de graft et tout ça. Donc, je vais pas vous montrer le PDF, mais c'était juste pour vous dire que je vais à peu près dérouler euh, moi les choses qu'on trouve dedans. Mais euh, voilà, vous l'achetez, euh, vous le récupérez par des moyens légaux euh, et vous ne chopez pas de PDF. C'est pas bien. Pareil pour le Cormen. Euh, pareil pour le Cormen. Donc non, je n'encourage pas à ouvrir les PDF. Il euh, y a quelqu'un qui dit il y a aussi les livres de Knuth. Ah oui, donc le Tao CP. Donc j'imagine que tu parles euh, dans les grands bouquins du Tao CP. Donc effectivement, euh, le Tao CP, euh, ça c'est... Euh, donc the art of computer programming, c'est euh, un gros bébé, hein! C'est un gros bébé, hein, le Tao CP. Hein euh, c'est. <laughs> c'est. C'est quatre bouquins, hein euh, C'est... Je sais pas si c'est encore 100% d'actualité, le TAO CP. C'est vraiment blasphématoire ce que je suis en train de dire. C'est vraiment blasphématoire ce que je suis en train de dire. Le TAO CP, c'est vraiment un truc essentiel. C'est vraiment... C'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement profond. Le TAO CP, c'est vraiment un truc qu'il faut lire dans sa vie. Je suis d'accord. Euh, mais je le trouve vraiment... Euh, vraiment violent, quoi. Alors, c'est vrai que par exemple, euh, on, on redirige vers le Tao CP lorsque les gens, quand ils essayent de faire de Maloc ils essayent de faire un, un, un Buddy System. Euh, le, le Buddy System est, euh, est, euh, est un algorithme qui est, qui est décrit dans le Tao CP. Euh, ouais, donc c'est des très très beaux bouquins. sinon vraiment, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est vraiment des très très bons bouquins. Ils sont vraiment essentiels, euh, mais ils datent des, de, de 68, quoi. Mais il date de 68. Donc forcément, euh, les choses ont beaucoup évolué depuis. C'est juste ça que je suis en train de dire. Euh, mais ouais. Donc, ouais. donc moi, je vais surtout, euh, surtout m'attarder sur le, sur le ski NA, euh, l'algorithme design manuel, euh, parce qu'il est, il est vraiment, vraiment bien, 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 bien. Euh, du coup, ce que je vous propose, c'est de, bah, de commencer un peu de, à parler un peu de, de structure de données. On va parler un peu de structure de données, on va y aller mollo. Et euh, à chaque fois, je ne déroule pas euh, toute l'algo la, toute mateuse. Je prends ma, ma tablette. Hein. Euh, je ne déroule pas toute l'algo mateuse, mais je vais vraiment dérouler euh, le, le minimum syndical euh, vu du point de vue euh, d'un programmeur, en gros. Donc, rapidement, attention, je pop mon open board. Open board. Non, viens là, toi. Voilà. Alors, euh, d'une manière générale, euh, lorsqu'on manipule des algorithmes, on a envie de savoir quelles vont être les performances euh, des algorithmes. Et en, en particulier, ce n'est pas tant les algorithmes d'une manière générale, enfin, si, c'est cool de connaître les, 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 les compétences des algorithmes d'une manière générale, mais euh, ce qui nous intéresse très souvent, c'est les, les complexités des algorithmes liés à une structure de données. C'est-à-dire que très souvent, on a besoin de stocker des choses, et il y a différentes manières de stocker des choses, et euh, on va avoir à faire des choix, et on pourra avoir des structures de données où c'est très facile d'insérer, mais c'est chiant de retirer, par exemple, et, et ainsi de suite. Donc c'est important d'avoir une notation qui nous exprime très rapidement et très succinctement. Euh, ces trade-offs afin de faire le, le choix d'une structure de données, sachant qu'il n'existe pas de structure de données euh, ultime. Et donc pour ça, euh, on va parler un tout petit peu de, de, de notation de complexité, la fameuse notation en euh, grand O. Euh, grand O de euh, quelque chose. Donc là, euh, vous, normalement, vous avez un background qui est un peu plus matheux que le reste, donc ça devrait un peu mieux se passer. Mais euh, j'exprime rapidement ce que c'est que le, le grand O. Le grand O représente une borne supérieure euh, à l'infini. Euh, C'est-à-dire, c'est un comportement asymptoma asymptotique. Euh, asymptomatique. Merci le Covid, c'est incroyable. Euh, qui représente un comportement lorsque N tient en temps vers l'infini. C'est-à-dire qu'on s'en fout un peu de tester et d'apprendre quelle est la complexité... Euh, d'un algorithme d'insertion dans une liste si de base euh, moi je vais insérer que sans éléments, Sans éléments c'est rien on s'en fout, même 1000 éléments c'est rien 10 000 éléments c'est rien, c'est vraiment quand on commence à avoir plusieurs centaines de milliers euh, 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 lorsqu'on commence à avoir plusieurs centaines de milliers, là ça devient intéressant euh, là ça devient intéressant donc d'une manière générale en fait euh, ce qui nous intéresse c'est quand n tend vers l'infini et généralement, on a plutôt une classe de problèmes, plutôt que de, de faire ça, qui représente des, des bornes supérieures qui sont, euh, euh, qui sont les grands noms, hein. le fameux le linéaire. Attendez, je ne vais pas commencer par le linéaire, je vais le faire dans l'ordre. Les grands ordres de, de complexité, d'abord je les écris, après je dis ce que ça veut dire avec la complexité grand O. Donc les grands trucs qu'on va retrouver, on va trouver O de 1, euh, O de log de, de N. Log 2 hein, de n, log en base 2, hein, c'est pas, pas le logarithme euh, n'est pas rien. Lui paye la facture, alors que le logarithme ne paye rien. Ah, ah, drôle, humour. Euh, bref. Ensuite, on a euh, le linéaire, euh, le quadratique, euh, d'une manière général, le cubique, hein, euh, le n puissance euh, p hein, euh, pour un polynôme donné. Euh, et ensuite, on va commencer à avoir les trucs absolument what the fuck. Ah, j'ai oublié, entre les deux, ici, euh, euh, entre le... Attendez, ah là 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 là. qu'est-ce que je dessine mal Excusez-moi. On avait le n, et avant, on a le n log de n. Ça arrive n fois log de n, vous allez le trouver de temps en temps. Euh, n carré, le quadratique, cubique. Euh, le polynomial d'une manière générale, en gros. Et ensuite, on va tomber sur les trucs qui sont absolument what the fuck, où ça commence à être foutu. quoi euh, Et c'est-à-dire, euh, vous commencez à avoir euh, du E de N. Donc E de N égale C dead. Hein. Donc généralement, on, on, on tire, euh, on tire le trait rouge. Euh, e de N, euh, ça veut dire C dead trouve un trick. Trouve un trick parce que c'est pas tractable sur des grandes valeurs. Et euh, le pire de pire, hein, euh, factoriel, euh, ou ça, c'est même pas la peine. Donc, on va pouvoir voir un peu tout ça et on va pouvoir manipuler euh, les structures de données. Donc, un exemple d'algorithme euh, qui est euh, euh, exponentiel, c'est euh, Fibonacci si vous le faites naïvement. Fibonacci, si vous le faites naïvement, hein, euh, je rappelle que Fibonacci, hein, euh, Fibo, j'écris mal, je sais, de n, euh, c'est égal à la somme des deux nombres précédents. Euh, c'est égal à Fibo de n-1 plus fibo de n-2. Hein, la suite de fibonacci, à chaque fois pour trouver un nombre, on additionne les deux, les deux précédents. Si vous le faites naïvement, euh, si vous commencez à partir de n, pour, pour calculer n, j'ai besoin de n-1 et j'ai besoin de n-2. 2. Mais pour calculer n-1, j'ai besoin de n-2. Et de n-3. Et toi, pour calculer, j'ai besoin de n-3 et de n-4. Et je vais dérouler tout un arbre comme ça jusqu'à tomber euh, sur les valeurs terminales. Jusqu'à tomber sur 0, n'importe hein, quoi. Et combien en fait il va y avoir euh, d'éléments euh, dans cet arbre? Euh, bah tout simplement, si à chaque fois qu'on le fait, euh, on multiplie par 2, bah, on est à 2 puissance n. 2 puissance n, ce qui est de l'ordre de l'exponentielle. Et 2 puissance n, ce n'est pas. Euh, tractable. Donc un Fibonacci que vous faites naïvement euh, comme ça, vous lui donnez un gros nombre, euh, vous tournez à l'infini, si vous le faites avec une récursion, vous mangez un magnifique stack overflow parce que vous, euh, vous, 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 vous éclatez la limite des récursions. Et euh, donc du coup, ça ne le fait pas. Donc ça, c'est pour vous donner un exemple de structure de données, enfin de, de structure de données, excusez-moi, d'algorithme euh, exponentiel. Mais ensuite, on pourra parler un peu d'algorithmes qui permettent d'améliorer ça, notamment ce qui s'appelle la programmation dynamique. On va parler rapidement de programmation dynamique euh, et, ça, et ça vous aidera. Euh, mais voyez que rapidement, d'une manière générale, euh, log de 1 c'est un, euh, pardon, O de 1, c'est un saint graal, c'est une opération, mais qui généralement a un piège. O de 1, ça veut dire c'est en temps constant. Ça veut dire, quel que soit la quelle que soit la taille euh, de l'entrée, je ferai ça en temps constant. Donc un exemple, par exemple, euh, ça va être... Euh, euh, je donne un exemple. Euh, une table de hachage. Une table de hachage, c'est euh, une manière de stocker des nombres, mais... Euh, non attendez, on parlera plus tard de la charge, mais je vous donne par exemple, euh, si j'ai une liste chaînée et que je veux ajouter un élément en tête, je veux ajouter un élément en tête d'une liste chaînée, et moi j'ai déjà un pointeur vers la tête. Vous êtes d'accord que quel que soit le nombre d'éléments que j'ai, euh, moi ça prendra toujours autant de temps. Euh, je fais un nouvel élément, et je pointe sur la nouvelle tête. Donc la, la, la durée de cette opération n'est pas fonction du nombre d'éléments. Donc on dit que c'est un, euh, euh, un O de 1. C'est en temps constant. Faites très attention parce que souvent on voit des O de 1, on dit Ah oh, putain c'est trop bien Et les O de 1 parfois cachent un coût constant qui est assez violent. Parce que comme c'est quand on porte à l'infini, on ignore complètement les coûts constants. Donc parfois un truc qui prend euh, 1000 ans, mais qui prendra toujours 1000 ans indépendamment euh, de la taille d'entrée, c'est du O de 1. Hein. Donc faites gaffe. Hein. Alors une question qui est intéressante, euh, excusez-moi. Euh, Qu'est-ce qu'une structure de données Comment les reconnaître Y a-t-il beaucoup de structures de données Peut-on nous les citer euh, Bah, C'est le but du cours, tout à fait. Tu as entièrement raison, c'est le but du cours. On va parler des structures de données. <laughs> là, je suis juste en train de parler des, euh, des, euh, euh, des, de la notation et de la terminologie qui va me permettre d'introduire les différentes structures de données et de les évaluer et de les comparer. Donc là, je suis en train de préparer le terrain justement pour parler des structures de données. Donc euh, t'en fais pas. Euh, T'en fais pas, on y vient. C'est le but de ce cours. Donc voilà, le, le log de 1, c'est un Saint Graal. Et euh, vous voyez que, une structure de données, parfois, va être optimisée pour faire un certain type d'opération d'une manière extrêmement rapide. Euh, et typiquement, vous allez trouver que euh, pour des opérations que vous faites très fréquemment ou qui l'intéressent, elle va se démerder pour avoir du haut de 1 dessus. Au prix, euh, 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 au, au prix de la complexité sur d'autres. Au prix de la complexité sur d'autres. Donc là je donne un exemple. Euh, si moi je passe mon temps à vouloir ajouter en tête euh, une liste chaînée, par exemple, du coup devient intéressante parce que là elle est en haut de 1, ou n'importe quoi. Euh, même si on avait vu que euh, aj ajouter en queue, si vous avez que. Un pointeur sur la tête et que vous n'avez pas un pointeur avec une sentinelle, vous savez, un première, une première structure qui pointe vers le début et la fin. C'est généralement quand on fait des structures de données, des, des listes chaînées quand on les code. En vrai, on fait une première struct avant qui a un pointeur sur la tête et un pointeur sur la fin. Comme ça, c'est également très rapide d'ajouter enfin. Si vous ne l'avez pas, euh, ajouter enfin, bah c'est en euh, euh, c'est en euh, o de n C'est en o de n parce que euh, je dois me rendre tout à la fin. Un autre exemple qui est assez intéressant, euh, ça va être que euh, si on reprend la liste chaînée, c'est la présence du grand O. C'est que le grand O, et ça c'est très important ce que je vais dire, le grand O représente la complexité dans le pire des cas. Je répète, le grand O représente la complexité dans le pire des cas. Donc à chaque fois, euh, on part du principe que c'est le pire. Donc je reprends l'exemple de cette liste chaînée. J'ai une liste chaînée avec 1000 euh, éléments et moi je veux chercher un élément dedans. Alors oui, euh, si j'ai beaucoup de chance, ce sera le premier élément et je l'aurai instantanément. Euh, en moyenne, je le trouverai à peu près au milieu, certes. Mais dans le pire des cas, l'élément que je cherche, j'ai pas de chance, il est pile poil tout à la fin et je dois tout parcourir. Donc on va dire que la complexité de euh, la recherche d'un élément dans une liste chaînée, euh, naïve, sera en O de n parce que c'est linéaire. C'est linéaire parce que ça va augmenter en fonction, euh, la fonction est, euh, est liée à de la, à de la forme euh, un multiple de n, quoi. Ou en tout cas, n écrase euh, ce qui se passe derrière. Donc on sera dominé par, euh, de manière linéaire. Donc voilà, voilà un peu la notation grand O. Il y a d'autres notations. Vous allez trouver également le θ euh, qui représente une exactitude. Euh, parfois vous allez le trouver, mais généralement à peu près tout le monde en pratique, quand on n'est pas dans un cercle académique, euh, réfléchit en termes de grand O. On dit grand O de machin, grand O de machin, grand O de machin. Donc je reviens rapidement. Euh, grand O de 1, c'est un temps constant. C'est euh, le Saint Graal, mais généralement. Euh, généralement, quand on se à faire un gros 2-1, c'est qu'on a fait un deal avec un diable. Donc euh, toujours, euh, toujours ouvrir un peu le capot et dire comment ça se fait qu'il est au 21. 1 parce que parfois ça cache des trucs. Le, le log, la complexité logarithmique, c'est comme le c'est comme le grand 2-1 dans le sens c'est saint graal, sauf qu'en plus lui il a pas de piège. Enfin, s'il y a toujours des pièges, mais euh, le log, la complexité logarithmique, euh, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop bien. À chaque fois que vous avez un truc logarithmique, vous devez vous dire yes Parce que c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement efficace. Et le grand truc qui va manipuler euh, des complexités logarithmiques, c'est quand on va faire des arbres, des arbres binaires principalement. Et vous verrez, lorsqu'on manipule les arbres binaires, à quel point, naturellement, les logarithmes arrivent. Les logarithmes en base 2. Et euh, franchement, j'espère que vous allez, euh, vous allez comprendre. Pour vous donner un ordre d'idée à quel point c'est extrêmement euh, extrêmement puissant un logarithme en base 2, euh, log en base 2 de 1 milliard, c'est 30. Donc ça veut dire que si vous passez d'une complexité euh, linéaire à une complexité logarithmique, vous passez de si je devais rechercher un élément, dans le pire des cas de faire un milliard d'opérations, de devoir regarder un milliard de cases, à seulement devoir en regarder 30. Donc ça, c'est vraiment, vraiment ça. Ah ok, vous avez déjà eu ça en cours sur la complexité des algorithmes Ok, parfait, je ne savais pas si vous déjà eu. Euh, nickel, bah, je me permets d'avancer un peu du coup. Euh, je ne sais jamais euh, s'il y a des trucs qui sont pas, pas compris ou n'importe quoi, bah super, donc je me permets d'avancer. C'est parfait, ça, ça m'arrange, je vous avoue. Euh, on va pouvoir sauter directement sur les structures de données du coup. Donc je redis juste, euh, je termine hyper rapidement. Le n-log n, -n vous allez le trouver de temps en temps. Euh, quadratique, c'est surtout le trucs de tri. Parfois vous allez l'avoir et commence à être chiant, celui-là. Euh, cubique, ça pue de la gueule. Et au-dessus, euh, au-dessus c'est pas tractable. Enfin, si le polynomial ça va. Ok. Bah du coup, je me permets d'avancer, c'est cool. Ça m'arrange. On va pouvoir vraiment parler de structures de données du coup. On va vraiment pouvoir parler de structures de données, c'est super. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une structure de données Une structure de données, ou data structure en anglais, c'est euh, une méthode, l'art et la manière de tenir une collection d'objets selon, euh, selon une certaine logique. Donc, toute forme euh, de, de truc que vous faites dans votre code qui permet de stocker une collection d'objets, est une structure de données. Donc c'est extrêmement vaste. Hein. Donc euh, dès que vous faites euh, un arbre, c'est une structure de données. Dès que vous faites une liste, dès que vous faites un tableau, euh, dès que vous faites une file, dès que vous faites une pile, dès que vous faites ces trucs-là, euh, vous faites ce qu'on appelle euh, une structure de données. Tout simplement. C'est juste le nom euh, pour ces choses-là. Et il y en a plein. Et vous connaissez les usuels, et je vais commencer, quitte à ce que ce cours soit un peu de la redite avec ce que vous avez vu en cours d'algo, en cours de complexité, parce que ça fait pas de mal, euh, mais très 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 vite, on va monter sur des, euh, sur des structures de données euh, dont on ne vous a pas forcément parlé, qui sont peut-être un peu plus exotiques, parce que tôt ou tard, vous allez devoir vous les manger. Euh, typiquement, je pense à moi, vous allez devoir vous manger les batteries, parce que dès que vous allez faire des bases de données, il euh, y a énormément de batteries là-dedans, et vous allez vous tirer une balle si vous ne savez pas ce que c'est. Donc, euh, donc voilà. On va commencer simple avec les algorithmes, euh, simple, simple, simple. Enfin, les structures de données euh, élémentaires, et on va très très vite euh, augmenter, euh, augmenter très très violemment. Alors, déjà, moi, je, j'ai tendance, et la plupart des gens ont tendance à découper les structures de données en deux grands types de structures de données, deux grands types de conteneurs. Il y a ce qu'on va appeler les conteneurs séquentiels. Second, allez, j'écris en anglais. Second shawl. Et les conteneurs associatifs. Donc les conteneurs séquentiels, bah, c'est euh, généralement, c'est tous les conteneurs. Euh, qui concerne à stocker une séquence d'objets mais euh, c'est pas comme si on cherchait euh, une association en particulier et ce qui nous intéresse c'est par exemple euh, leur ordre euh, ou euh, on s'en on peut, on peut, on on fout un peu de l'ordre mais que d'une manière générale on n'est pas du genre euh, à chercher un élément en particulier d'une manière générale les conteneurs séquentiels c'est tous les conteneurs où ce qu'on cherche à faire avec eux c'est typiquement les parcourir donc, un conteneur séquentiel, ben on ne les part pas en séquence. Donc, les grands conteneurs séquentiels que vous allez trouver, ça va être typiquement euh, les vecteurs. Les vecteurs, j'insiste beaucoup dessus. Euh, J'allais dire j'insiste très dessus, mais ce n'est pas très français. Le vecteur, c'est un des premiers qu'on voit. Et il y a un peu cette tendance, c'est humain, hein, de comme ensuite on, parle sur, on, on va partir sur des euh, conteneurs euh, plus puissants, euh, enfin euh, plus avancés, de croire que le vecteur c'était pour les enfants parce que c'était le premier qu'on avait fait et que euh, du coup c'est pas celui qu'on qu utilise tous les jours. Dans 95% du temps, ce qu'on fait c'est des vecteurs. Alors le vecteur il a plusieurs noms euh, selon euh, les langages. Je vais marquer les langages. Euh, euh, Là-dessus, si vous êtes en C++ par exemple, il va s'appeler std vector. std, euh, std vector, enfin il s'appelle vector en C++. Euh, si vous êtes en Java, il va s'appeler ArrayList. Euh, si vous êtes en Python, c'est juste euh, la bonne vieille liste comme ça. Hein. C'est un vecteur en tout. C'est stocké de manière séquentielle, c'est pas une liste chaînée ça. Et je ne connais pas trop les autres langages, mais ça, ça devrait dire à peu près les, les langages que vous avez vus. Donc euh, c'est pour vous dire il est vraiment partout. Le vecteur est vraiment partout. Et quand vous faites du Python, vous manipulez des vecteurs euh, euh, la plupart du temps. Donc ne vous faites pas avoir. Euh, le vecteur, il est vraiment, vraiment, vraiment super puissant. Et 95% du temps, euh, ce qu'on veut, c'est... Euh, euh, 95% du temps, ce qu'on veut, c'est un vecteur. Et euh, oui, effectivement, il me dit, Python, Python, c'est liste arrêt. Oui, c'est les tableaux comme ça, et en pratique, ça appelle, euh, ils appellent ça une liste. Eux, ils appellent ça une liste, mais en, en vrai, c'est implémenté sous forme d'un... C'est pas une liste chaînée, de la même manière que Java appelle ça un arrêt liste. Euh, donc ne, ne vous faites pas voir, en pratique, c'est implémenté avec un vecteur. Euh... Autre exemple de, de structure de données, bah la fameuse liste chaînée, hein, la linked list. La linked list, euh, en vrai, en vrai on la voit pas tous les jours. En vrai, en vrai euh, de nos jours, euh, le monde a beaucoup changé et je vais en parler un peu après, mais il euh, y a beaucoup de cas où les bouquins euh, vous dirait d'utiliser une euh, linked list. Euh, et parce que sur le papier et l'analyse de complexité, vous direz d'utiliser une linked list, mais qu'en pratique, Vector va l'éclater en termes de perf euh, de par le design des, des processeurs aujourd'hui. On en parlera un peu après. Mais retenez juste que pour l'instant, euh, Vector c'est le dieu. Vector, c'est le dieu. Euh, et il euh, y en a d'autres, mais pour l'instant, je commence vraiment avec cela. Mais d'une manière générale, vous voyez que c'est typiquement le genre de truc. Où euh, le truc de base que je fais, c'est euh, pour tous les éléments de machin. Pour i allant de 0 jusqu'à la fin, alors pour chaque élément. C'est en ça que c'est des conteneurs séquentiels. Et potentiellement, je peux avoir une notion d'ordre si je le souhaite ou n'importe quoi. Les autres conteneurs ici, les conteneurs associatifs, eux. Excusez-moi. nous a mal à la nuque. Les conteneurs associatifs. E, c'est tout ce qui concerne de la clé-valeur. C'est-à-dire, je vais pouvoir stocker des choses, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que je veux stocker une collection d'objets et à chaque fois, je vais pouvoir les retrouver. C'est un vestiaire. Et donc, généralement, on appelle ça également, ça c'est un nom un peu plus qui a une autre connotation en système distribué, mais je n'en rentre pas trop, c'est ce qu'on appelle un KV Store, un Key Value Store. C'est-à-dire, à chaque fois, quand on ajoute un élément, on lui donne une clé, et euh, une valeur est stock et ensuite euh, je, quand je te redonne la clé tu me retrouves l'élément et donc généralement ils sont euh, les structures de données qu'on va trouver euh, pour faire de l'associatif euh, sont typiquement des structures de données qui sont optimisées pour pouvoir très rapidement retrouver un objet à partir d'une clé mais par contre euh, même si c'est possible d'itérer dessus euh, ça peut être parfois relativement laborieux ou euh, apporter des complexités un peu plus grandes. Donc, forcément, euh, les, les grands que vous allez trouver euh, là-dedans, ça va être la table de hachage, la hash table, il hein, n'y a pas de miracle. Autant en C, vous n'avez pas l'impression d'en faire souvent, autant dans euh, tous les autres langages, euh, vous, allez, euh, vous, allez en, vous allez en trouver. Donc la hash table. En C, ça s'appelle une map. STD map. Map parce que c'est un mapping entre une clé et une valeur. En Java, ça va s'appeler une de mémoire, une hash map. Et comme son nom l'indique, c'est avec une hash map. C'est avec euh, une hash table. Et en Python, c'est un nom que vous connaissez. Oh, Python, je sais plus écrire Python. Ça s'appelle Indico. Ça s'appelle Indico. Tout simplement, un dictionnaire. Le dictionnaire, le machin avec les accolades, c'est une table de hachage. En pratique, il fonctionne avec une table de hachage. Et vous comprenez, vous voyez bien que le dictionnaire est, euh, est une, une structure de données associative, parce que j'associe des clés et des valeurs. Et d'une manière générale, comme vous le voyez, vous avez bien remarqué que quand on code en Python, par exemple, euh, les deux grandes structures qu'on utilise dans 95% du temps, c'est des listes et des dicots. Bah, C'est la même dans tous les autres langages, donc d'une manière générale, Vector et hash table à E2 représentent vraiment euh, 95% du paysage des structures de données que vous aurez à manipuler. Mais on a besoin d'un cours pour les 5% qui restent. Mais vraiment, retenez, la hash table, c'est le feu. Je ne vais pas trop parler de comment on fait pour l'implémenter en C. ça a eu des exos là-dessus, machin et tout ça. Euh, je pense que pour les exemples, on fera principalement du Python. Comme ça, on ne va pas se faire chier. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant de, de comment on code, c'est comment on s'en sert, à quoi elle sert, dans quel cas on les voit et tout ça. Mais comprenez que la hash table on s'en sert vraiment, 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 vraiment beaucoup. Mais elle a euh, d'autres copains et notamment... Non, excusez-moi. Je me suis complètement trompé. Je voulais rester avec des gros traits, mais passer en blanc. Excusez-moi. Mais notamment, il y en a d'autres, mais celui qu'on va voir on va voir les arbres pas tous les arbres mais les arbres de recherche c'est-à-dire que il existe des structures de données d'arbres qui sont là pour euh, vraiment représenter quelque chose euh, qui dans le modèle, dans la conception, dans le métier, est un arbre. Si par exemple vous, une, vous faites une structure de données qui veut représenter un file système avec des dossiers, des sous dossiers, des fichiers là-dedans, vous faites un arbre. Et parce que vous êtes en train de, de modéliser euh, la chose telle qu'elle est censée vraiment exister vraiment. Si vous êtes en train de coder un arbre, euh, représenter un arbre géologique, bah comme son nom l'indique, vous avez envie de faire un arbre. Donc, généralement, c'est ni séquentiel ni associatif, c'est des structures de données avancées qui sont là pour modéliser le réel. Hein, c'est comme les graphes, les arbres et tout ça. Là, je ne suis pas en train de parler de ces arbres-là. Je suis en train de parler des arbres de recherche. Les arbres de recherche, c'est pas pareil. C'est le fait qu'il y a un arbre est un détail d'implem, et on verra après ce détail d'implem, mais dont le but est de représenter de la clé-valeur, mais on se sert en interne d'arbres de, de recherche pour faire notre, notre boulot et typiquement pour faire justement des, des trucs en logarithmique euh, quel est le grand avantage on va, on, va, on va les étudier c'est un des trucs qu'on va étudier quel est le grand avantage des arbres de recherche donc le grand hein, le grand que vous allez voir c'est bien sûr le BST hein, le Binary Search Tree l'arbre de recherche binaire l'ABR en français mais on a plutôt tendance à le dire quand on parle rapidement on parle de BST de Binary Search Tree euh, et de par son nom, vous allez comprendre quelle est sa valeur ajoutée. Une fois de plus, je, je reviendrai en détail sur tous les trucs. Hein. Je commence toujours mes cours, vous avez compris, par un, un overview rapide. Je fais un tour d'horizon et après je plonge. Euh, mais donc le grand nom, je sais pas c'est quoi les noms en Java et en Python, en Python je crois pas que vous allez le trouver, mais en C++ par exemple, vous allez avoir un truc qui s'appelle la STD, STD pour standard, hein, de la lib standard, Ordered Map. La map ordonnée. Et euh, c'est là que, euh, que vraiment, dans son nom, vous voyez, excusez-moi, vous ne voyez pas à cause de mon. Yeah. Hop là. Oh, pour, pour le peu que vous arrivez à comprendre de ce que je suis en train de marquer, Ordered Map. Je, je, je vais le montrer sur le site après. Euh, la map ordonnée. Euh, pourquoi elle est super bien euh, Oui, c'est plus lent qu'une table de hachage parce que euh, la recherche d'un élément c'est en O de 1 en H table et c'est en logarithmique euh, dans une dans, dans un BST. Euh, mais parce que euh, l'arbre la, de, de recherche maintient une relation d'ordre et parfois on a envie de garder cette relation d'ordre et forcément dans une table de hachage on a perdu la relation d'ordre. Donc ça c'est une des raisons pour laquelle on, on ne voit pas. Euh, alors, euh, je vois la question. Oh là, pardon. Euh, je me suis jamais servi des dicos des, des dico en prépa. Oui, c'est vrai. C'est parce que. Alors, pardon. C'est assez marrant. On s'est rendu compte du même problème sur la prépa intégrée. C'est-à-dire, euh, vous avez vu sur le test de profilage. Euh, je ne sais pas si vous vous en rappelez euh, quand quand on a fait le test de profilage. Il y a une question qui s'appelait euh, histogramme où il fallait faire un dico. Et euh, cette question est triviale si on sait faire un dico. Et euh, on s'était rendu compte sur les prépas externes, euh, sur les gens qui venaient de, euh, les, les, les gens qui vont en apprentissage et euh, qui viennent de DUT ou n'importe quoi, ils ont, euh, euh, ils ont cet examen, non pas comme profilage une fois qu'ils sont mais ils l'ont en examen de, de recrutement euh, avant de passer en apprentissage. Et on s'était rendu compte que euh, ils galéraient beaucoup, même ceux qui savaient faire du python, ils galéraient beaucoup là-dessus. Et on s'est rendu compte. Quand on a pris ces examens et qu'on les a mis en profilage sur les gens à nous, euh, enfin à nous, les, 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 les gens gens sont également à nous, hein, Mais les initiaux, vous êtes dans ce qu'on appelle un parcours initial, euh, vous, on nous appelle les initiaux, euh, que effectivement vous galériez énormément et même dans notre prépa intégrée. Et en fait, je me rends compte, c'est parce que euh, vous faites beaucoup de structures de données, vous faites beaucoup d'algorithmes, mais vous faites pas beaucoup de code euh, métier qui représente à des vrais besoins usuels. Et dans les vrais besoins usuels, euh, ça arrive super souvent d'avoir besoin euh, d'une structure de données euh, euh, associative. Et donc du coup, euh, on s'est rendu compte que euh, le score sur histogramme a été un carnage sur les prépas intégrés, les prépas externes et d'une manière générale tout le monde. Et j'ai l'impression que c'est parce que le Python qu'on vous fait faire est un Python qui est très, euh, très artificiel. Et, mais dans la vraie vie, ça arrive très très souvent d'avoir besoin d'un euh, d'un truc. Euh, j'ai besoin de me souvenir de tous les gens par qui je suis passé par là. Putain, j'ai besoin d'un set. Bah comment j'implémente mon set Tu as une H table, quoi, une structure de données. Oui, effectivement, j'ai oublié de le dire. Dans la structure de données associative on a également le set euh, où euh, c'est comme une clé valeur, sauf qu'on s'en fout de la valeur. Ce qui m'intéresse, c'est juste de savoir s'il est là, quoi. Mais en gros, c'est comme un dico. Mais euh, mais vous voyez que ça arrive très 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 souvent. Euh, alors en Python, il me semble qu'il y a order dict. Oui, il y a un order dict qui est apparu, mais j'ai un doute sur son implème. et je ne suis pas sûr qu'il soit stocké. Euh, je ne sais pas comment il est implémenté. Je ne sais pas s'il est stocké avec un avec un arbre. Donc je sais que c'est un dico qui maintient l'ordre, mais je ne sais pas comment il est implémenté. Mais on peut regarder ça ensemble. Hein. Euh, ça peut être une très bonne je pop le navigateur non c'est pas lui j'ai dit je pop le navigateur non on peut y arriver <laughs> donnez moi une seconde au secours euh, python ordered dict implementation euh, est ce que c'est un arbre ah une liste doublement chaînée. Alors comment il marche l'ordre dict? Alors il s'avère aussi qu'en Python, depuis je ne sais plus quelle version, euh, les dictes tout court maintiennent l'ordre. Les... Maintiennent euh, je ne sais plus comment ils font, mais maintenant ils euh, maintiennent l'ordre. Alors effectivement ils disent que ça fait une liste chaînée. Mais que ça fait quand même un dico, donc tu dois faire une bizarrerie avec les deux en même temps. Effectivement, on voit, hein. Link Prev, Link euh, last Next, Last.next, ouais, clairement, ça s'appelle une liste chaînée, ça. Mais on dirait qu'il y a en plus euh, une euh, map. Donc on dirait qu'il fait les deux en même temps, cette structure de données. Attendez, il faut que je zoome un peu. Euh, on dirait qu'il fait les deux en même temps. À la fois, il a un underscore underscore map. Et ouais, underscore underscore map, c'est un dico. Donc on dirait que c'est un que le order dict fait à la fois un dico et en plus une liste chaînée pour maintenir la relation d'ordre, donc il gère les deux. Euh, mais je sais que les dicts maintenant euh, sont ordonnés. Euh, voilà, en 3.6, euh, ils se souviennent... Alors, attention, quand je dis qu'ils sont ordonnés, ils se souviennent de l'ordre dans lequel je les ai insérés, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils maintiennent une relation d'ordre. Faites attention. Ce que j'appelle maintenir une relation d'ordre, ce n'est pas, euh, pas forcément euh, l'ordre dans lequel je les ai insérés. Par exemple, j ce que j'appelle une relation d'ordre, c'est que j'aimerais qu'ils soient triés selon une certaine clé. Par exemple, j'insère euh, des, des entiers qui servent de clé, mais j'aimerais qu'ils soient euh, insérés de manière croissante. Donc je veux maintenir une relation d'ordre. Donc ça, c'est quelque chose que je ne sais pas faire avec, un, euh, avec une, une table de hachage. Donc oui, je maintiens l'ordre d'insertion, mais ce truc-là ne va pas maintenir de relation d'ordre. Ne vous faites pas avoir, ce n'est pas la même chose. Euh, et c'est là l'avantage euh, d'un arbre de recherche, c'est que les arbres de recherche typiquement maintiennent une relation d'ordre, et ça peut être très utile si vous avez besoin de cette relation d'ordre, qui n'est pas forcément l'ordre dans lequel je l'ai inséré. Là, je me trompe toujours dans mes boutons. Euh, dans ma prépa, Python, c'était juste pour... Ouais. Vous voyez, les gens, ils se servent d'un Python qui, généralement, soit très scientifique, soit algorithmique, et donc, forcément, un peu artificiel et un peu froid. Euh, tu utilisais des dictes Alors, les dictes, en fait, c'est à partir de Python 3.6. Peut-être que tu utilisais un Python 2 ou un Python un peu plus ancien. Mais euh, l'ordre d'insertion, euh, il le maintient automatiquement à partir de Python 3.6. Euh, je vais vous montrer rapidement euh, en C++. Le but, je ne vais pas faire de montrer de code C++. Je veux juste vous montrer la sur Cpp référence, la référence de la lib standard de C++ qui vous allez voir est un peu plus euh, un peu plus conséquente que que la que la lib standard du, du C. Hein. Euh, elle est également, ils ont également la lib standard du C. Euh, moi, je vais beaucoup dessus. Si vous avez du mal, si vous voulez chercher un peu la référence, je vous conseille ce site. Euh, cppreference.com, même si c'est pour C, ils ont la même partie en C. Euh, il vous dit à chaque fois pour tous les trucs on a tous les algos, euh, toutes les fonctions qui existent, super bien expliquées, qui vous dit à partir de quelle version c'est apparu, et généralement avec en plus un code d'exemple pour vous en servir. Donc euh, CPPRéférence, euh, super truc, super cool, euh, même en C. Euh, c'est vraiment le, le truc de la lib standard. Ils ont aussi un bout sur euh, tout ce qui n'est euh, pas standard, mais euh, là, j'en parle pas. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est euh, en C, le containers library. C'est tous les trucs qui permettent de faire des, des conteneurs. Et vous voyez que de base, ils ont les conteneurs séquentiels avec. Euh, arrêt lui vous l'oubliez, c'est un détail d'un c'est pour gérer les trucs, vous l'oubliez. Euh, mais dans les grands trucs, vector, vector, la dq, la double ended queue, c'est un truc quand on veut rajouter euh, à gauche et à droite, enfin en début et en fin. Parfois vous avez des, c'est un truc qui est conçu. Euh, la manière d'en s'implémenter est un peu touchy, j'en parlerai un tout petit peu à un moment, euh, mais c'est un... une structure de données qui est assez funky. Parce qu'elle répond à des cas, que ça arrive pas tout le temps. Mais parfois, j'ai besoin de pouvoir très rapidement ajouter en tête et très rapidement ajouter en fin. Euh, et donc du coup, la, la DQ euh, permet de faire ça. Euh, vous avez euh, liste tout court qui est une liste doublement chaînée. Et forward list, qui est une liste simplement enchaînée. Vous voyez qu'historiquement elle est apparue après. Elle est apparue seulement en C11. Euh, la forward list. Euh, je vais être honnête, je ne me souviens pas de la dernière fois que je me suis servi d'un std list en C++ ou d'un forward list. Euh, dans 99% du temps, quand je voulais un conteneur séquentiel, je faisais un vector. Et, et voilà. Donc ici, on a les euh, structures données et vous voyez, ils ont euh, les structures associatives et euh, unordered et euh, ceux sans ordre. Ah, excusez-moi, j'ai dit de la merde. Oh là 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 là, je suis fatigué. J'ai dit qu'il y avait euh, map et ordered map. Excusez-moi, c'est l'inverse. Il y a map et unordered map. Excusez-moi. Map tout court euh, maintient une relation d'ordre. Et euh, unordered est la hash table. Et en fait, vous allez voir, c'est très marrant. Euh, donc je suis vraiment désolé, hein. je me suis, suis embrouillé euh, euh, ici. Donc ici. Pardon. Là, c'est... Je... je corrige parce que sinon ça va me stresser. Euh... Plus petit. Euh... Ici, c'est... Euh... Qu'est-ce que j'ai écrit mal Unordered map, je me suis trompé. Et ça, c'est map tout court. J'ai confondu les deux. Excusez-moi, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de C ⁇ ce qui est une joie. Il fut un temps où j'ai fait énormément de C. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de C. Et je suis content de plus trop en faire. Euh, bref. Euh, ce qui est marrant, c'est que le standard de mémoire ne dit pas que ça doit être euh, fait avec un arbre de recherche. Et là, pareil, il n'y a pas marqué c'est une arbre de recherche, mais ils le disent indirectement quand ils disent. Quand le standard te dit. Eh! Hey, il va falloir que tu codes une fonction de recherche d'un élément dans une map et sa complexité, ce sera logarithmique. En fait, ce qu'il est en train de te dire, c'est Eh putain, fais un arbre quoi. j'aurais la question Est-ce qu'on doit apprendre le C de l'autre côté Est-ce qu'il est prévu qu'on l'apprenne en cours plus tard euh, oui, bon, on, au, au S6, euh, au S6, euh, prochain prochain semestre, il y a l'atelier C++, et vous faites du C++. Oui, tout à fait. Euh, pendant l'année, pendant l'engin, vous faites du C++. À partir du deuxième semestre, tout à fait. Là, je suis en train de parler, pas pour faire du C++, mais c'est pour vous donner. Je prends un langage quelconque, parce que lui, j'avais son site euh, dans la tête, et je vous montre un peu euh, à quoi ressemble sa lib standard pour vous montrer un peu ce qui existe. Euh, le but, c'est pas de faire de C++. On va pas coder en C++ là. Hein. Grand Max, je vous montre un truc avec un exemple d'utilisation. Et on baragouine, et on n'a pas besoin de baragouiner. Euh... Voilà, le grand max, euh... c'est pour vous montrer que... C'est pour vous montrer ça, quoi. Et le reste, on le baragouine, et on s'en fout. Et on s'en fout un peu de savoir comment ça marche, quoi. Mais comprenez que... Euh... Il peut faire crochet quelque chose, et puis voilà. Et après, il y a une boucle fort. Je comprends pas ce que ça veut dire, je sais pas ce que ça veut dire ces machins. Mec, fondamentalement, euh, il fait un for, ça veut dire qu'il itère sur letter count. Donc il arrive à itérer dessus. Et à chaque fois, il a first et seconde qui, j'imagine, est la clé et la valeur. Pas besoin de savoir plus. On ne va pas faire plus de C que ça. Hein. Euh, je ne vais pas en faire plus. Moi, ce qui m'intéressait, c'était juste vous, vous dire euh, ces trucs-là. De la même manière, ici, là. Euh, donc voilà. Le conteneur associatif. Ils ne le disent pas directement, mais clairement, ce qu'il est en train de nous dire, c'est « Eh, hey, c'est un arbre !» Mais vous voyez que ce n'est pas un arbre qu'on manipule directement. C'est un détail d'un le fait que c'est un arbre. C'est un arbre de recherche. Donc, marquez bien la différence quand on parle de structure de données en arbre entre, d'un côté, les structures de données qui sont des arbres, parce que ce que je modélise a une structure arborescente. Et donc, je fais apparaître le fait que c'est un arbre. Et euh, l'utilisateur, lorsqu'il va manipuler ma structure de données il va euh, commencer à parler des fils, les machins et tout ça parce que c'est vraiment ce dont il a besoin dans son métier. Donc, je dis un exemple. Je gère un arbre généalogique. Euh, je gère, euh, euh, je gère euh, une structure de fichiers, un file system, un, un système de fichiers avec des dossiers, des éléments dedans et blablabla. Bla 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 bla. Ce que je suis en train de représenter vraiment, c'est un arbre. C'est pas la même chose que les structures de données qui en interne, utilisent des arbres afin de pouvoir faire des recherches rapides, et ça, on appelle ça plutôt des arbres de recherche. Enfin, il y aura aussi d'autres arbres, il y aura un truc qu'on appelle, qu'on verra un peu, qui s'appelle les bétrises. Euh, vous ne l'avez pas trouvé ici. Euh, je vais le nommer. Je ne sais pas si on peut le considérer comme associatif. Ouais, il est un peu entre les deux. Mais on verra un truc qui s'appelle les bétrises, les arbres B. Et euh, c'est un arbre qui sera euh, extrêmement, extrêmement, extrêmement puissant. une généralisation des arbres de, de recherche binaire qui sont euh, extrêmement utilisés dans les bases de données. Et euh, on va faire de la base de données et on aura des cours sur les maths derrière les bases de données parce qu'en en fait, les bases de données relationnelles sont quelque chose de, contrairement à ce qu'on croit, très matheux. Et euh, vous allez sortir de l'épita en défonçant la gueule de la moitié des, des personnes, de 80% des personnes qui manipulent des bases de données, parce qu'ils s'en servent comme des programmeurs, et vous vous aurez le bagage mathématique pour comprendre les maths derrière euh, les bases de données relationnelles. Mais pour ça, euh, vous allez manger de la du béterie. Pas ce cours-là, on aura l'occasion, euh, mais vous allez devoir vous en manger. <laughs> il y a quelqu'un qui dit Oh non, pas du SQL <laughs> Eh bah ben, si, mais euh, je vous rassure, euh, quand on fait bien le SQL, qu'on prend le temps de le faire, qu'on ne se contente pas de faire bla comme ça, euh, euh, et qu'on le fait bien avec le bagage mathématique nécessaire, euh, bah, en fait les bases de données ça passe. Même si en pratique, oui, c'est un métier à part entière. Donc voilà, confondez pas, euh, confondez pas, il euh, y a un arbre, mais c'est un détail d'implem. Donc typiquement avec des arbres de recherche, euh, les bêtrises et tout ça qui sont généralisations. Typiquement pour faire des conteneurs associatifs. Et il y a un arbre parce que c'est ce que je modélise. Putain, je suis désolé, j'arrête pas de me tromper de bouton. Ah ah euh, Est-ce que les arbres rouge-noir sont beaucoup utilisés? Oui. Oui, 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 oui. Euh, parce que, on va en parler très rapidement. Les, euh, le gros problème, typiquement, euh, je ne sais pas comment est codé euh, Map. Euh, lui, il ne va pas... Il va pas euh... Typiquement, là, le standard ne va pas vous dire comment coder le truc. Mais il y a de grandes chances que l'implème de, de, de GCC, enfin de G ⁇ euh, soit, euh, une, euh, soit un arbre rouge noir. Euh, c'est une grande chance que ce soit un, 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 un arbre rouge noir. Pourquoi Parce qu'on a un gros problème, on va en parler un peu après. Si on fait juste un arbre de recherche, un arbre binaire de recherche, c'est qu'il risque de se dé de se débalancer, en gros, et tomber dans des cas pathologiques si on ne fait que insérer à droite ou n'importe quoi. on a besoin d'un truc qui se rééquilibre, il se déséquilibre, voilà, il faut, il faut le rééquilibrer en permanence. Et vous allez trouver deux, grands, euh, deux grandes variantes des arbres binaires de recherche qui permettent de faire ça. Les AVL, je vais le marquer. Attendez. Euh, je saute là-dessus, je, là je, je saute à la page suivante. Vous allez trouver... Euh, Ce que j'appelle les self-balancing. Qui s'auto-équilibrent. Balancing, pas balancing. Putain, mais qu'est-ce que j'écris mal Les arbres de recherche euh, auto-balançant. Et effectivement, vous allez en trouver deux grands les AVL et les euh, Red Black. Les AVL, je ne comprends pas. Pourquoi euh, tout le monde se fait chier en cours d'algo Je me rappelle de mes cours d'algo où on écrivait au tableau. Je me rappelle du prof qui a eu besoin de quatre tableaux qu'il effaçait et qu'il réécrivait pour pouvoir écrire l'algorithme d'insertion dans un AVL. Je ne comprends pas pourquoi les gens, euh, personne dans la vie ne fait des AVL. C'est une contrainte qui est beaucoup trop violente. L'AVL offre une contrainte qui est très, très grande parce qu'il garantit qu'à tout moment, en termes d'équilibre entre la page gauche et la page droite, il n'y a pas plus ou moins un. Donc, c'est une contrainte qui est extrêmement forte, mais euh, son impact en complexité, euh, à la fois complexité, je veux dire, de code, c'est compliqué euh, pour faire des insertions, des délétions, n'importe quoi. Euh, et également le, le temps qu'on sent que ça apporte, mais surtout en termes de complexité de code, euh, font. C'est assez rare que les gens s'en font. La plupart des gens, lorsqu'ils font, quand on dit qu'ils font un arbre de recherche binaire, en pratique, ils font un arbre de recherche binaire auto-balancé, auto-équilibré, et la plupart de temps, ils le font avec un arbre rouge-noir ou une variante de l'arbre rouge-noir, parce que l'arbre rouge-noir, il est euh, un peu plus, euh, beaucoup plus simple à implémenter. Il est, il demande un peu de, à comprendre. Il faut un joli cours, il faut quand même bien lire le truc et, et se creuser un peu la tête, parce que c'est pas le plus trivial du monde à, à comprendre comment il marche. Enfin, pourquoi est-ce que suivre les instructions fait que ça marche plutôt. Mais euh, par contre, sa garantie, c'est que lui, la, sa garantie est beaucoup plus laxe. Il peut juste garantir que euh, une des deux branches ne fait pas au moins le double de l'autre. Ça veut dire il permet d'avoir un peu plus de équilibrage, mais il pète seulement un cap quand ça devient le double. Mais en pratique, c'est ce que les gens implémentent. Et ils implémentent des rouges noirs ou des variations des, des rouges noirs. Donc ouais, les arbres aux rouges noirs sont extrêmement utilisés. Mais comme généralement on s'en sert sous le capot, on s'en rend pas compte. Et c'est ça le problème. Les gens ils disent oh putain, euh, je me suis fait chier à parler d'arbres rouges noirs. Moi j'ai fait euh, énormément de C++ et j'ai jamais vu d'arbres rouges noirs. Bah oui, bah à chaque fois que tu faisais STL maps, et Dieu sait que tu fais des STD maps quand tu codes en C++. Il euh, y a de grandes chances qu'en en fait, tu es en train de faire un, un, un rouge noir. C'était pas un rouge noir, tu es en train de faire une variation de rouge noir. Donc, euh, pour répondre à ta question, oui, tout à fait. <laughs> je suis encore trompé de bouton. Je crois que j'ai absolument envie que vous, que vous admiriez mon joli visage, je crois. Je crois que c'est juste que je veux que vous admiriez ma barbe, c'est ça. Je suis désolé. Euh, c'est normal si on ne connaît pas les arbres rouge noirs. Oui, c'est normal, on va en parler, tout va bien. <laughs> euh, Rassure-toi. Pour l'instant, euh, tu as juste à retenir que c'est une variation des arbres de recherche binaires qui leur permettent de s'auto-équilibrer au fur et à mesure qu'on insère et qu'on qu efface des éléments à l'intérieur. Euh, les AST, ça rentre dans les catégories des structures associatives. Euh, je ne rentrerai pas, moi, dans les structures de données associatives, parce que pour moi, le but de l'AST est de modéliser, donc AST, hein, Abstract Syntax Tree, arbre de syntaxe abstraite, et de modéliser euh, du réel, enfin, du réel, un, un, un modèle, une, une, quelque chose qui existe euh, dans le besoin. Et. Euh, et ce besoin est de manière arborescente. C'est pas associatif parce que je manipule pas mon AST en disant tiens, j'aimerais tel élément au pif et trouve-moi un élément rapidement dedans. L'AST, j'ai une manière, je veux l'évaluer et je l'évalue en partant du haut et en faisant ces machins et tout ça. Je ne suis pas en train de chercher un élément à l'intérieur et machin comme un dico. Donc pour moi, ce n'est pas de l'associatif. Les AST, c'est ni séquentiel ni associatif pour moi. Ça fait partie de cette troisième catégorie qu'on commence à avoir, comme je disais, avec les graphes et tout ça, qui sont euh, les, euh, les structures de données qui modélisent, qui se rapprochent, qui modélisent du réel, qui modélisent ce que vraiment je veux faire. Donc euh, voilà, c'est la troisième catégorie et j'ai pas vraiment de nom pour eux. Les arbres de Stendhal, ouais, le rouge et le noir. <laughs> Bravo en espérant que ça ne se termine pas aussi mal que pour le narrateur euh, <laughs> du rouge et du noir. Euh, comment ça se passe pour vous pour l'instant euh, Vous tenez le coup Dites-moi en termes de rythme. Euh, J'espère que... Là, normalement, j'essaie d'avancer un peu plus lentement euh, pour voir si vous arrivez à suivre. Euh, et peut-être que j'avance peut-être trop lentement, peut-être que, peut que selon votre parcours, vous êtes un peu en train de vous faire chier, mais je vois des gens... Euh, euh, mais je vois des gens qui ont besoin de. Je vois des gens qui apprennent quand même des choses, donc euh, je préfère prendre un peu de temps. Euh, ouais, alors le temps de prendre des notes, alors ouais, alors je me permets. Hein. Euh, je vois beaucoup de gens euh, qui galèrent au niveau de la prise de notes. Euh, J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Vous euh, euh, vous en sortez mal. Actuellement, vous avez un problème avec la prise de notes, et je pense que la prépa vous a donné de mauvais conseils. Euh, je vois des gens et je devine c'est ce qu'ils font parce que j'en avais en cours et quand je les voyais en cours je leur disais on voit des gens euh, qui recopient mot à mot tout ce qu'on dit ou qui prennent des notes comme ça euh, c'est pas une bonne manière ce n'est absolument pas une bonne manière de prendre des notes euh, parce que on arrête de vous dire dans le supérieur les gens ils parlent euh, quand, on, quand on écrit on ne peut pas écouter et écrire en même temps il faut quand, si vous voulez prendre des notes c'est d'abord on écoute et après, on écrit la synthèse de ce qu'on a compris, de ce qu'on a écouté. Euh, si vous passez votre temps à écrire comme ça là-dedans, euh, je vois énormément de gens qui font ça. Euh, C'est connu. Et, euh, et votre prépa, euh, je n'ai pas envie de dire du mal de votre prépa dans laquelle vous venez, hein, mais euh, votre prépa ne vous a pas rendu service et vous a dit que prendre des notes, c'était noter tous les mots euh, que le prof était en train de marquer. Et c'était euh, noter tout ce que j'écrivais euh, comme si c'était une dictée. Le... La prise de notes, ce n'est pas ça. Euh, ce que vous êtes censé pouvoir faire, normalement, c'est écouter, poser votre stylo, écouter, et lorsque je fais une pause, lorsque je conclue une section, lorsque je machin, vous écrivez la synthèse de ça. Ce n'est pas la peine de tout noter. Par exemple, ça, ça peut être intéressant rapidement de noter ces trucs-là. Est-ce que c'est la fin du monde si vous n'avez pas noté qu'il y avait C++, Java, Python, que ça s'appelait les machins et tout ça On s'en fout. Je vous donne des exemples pour que vous arriviez à comprendre. Mais qu'est-ce qu'il y a à retenir Ça, au final, tout noter, tout noter, tout noter, tout noter, euh, c'est pas besoin. D'une part parce que en plus, il y a les vidéos, il y a les slides, il y a les machins et quand bien même il n'y aurait pas... Je vois qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui, euh, qui sont, j'ai pas envie de dire défaillantes, parce que c'est un terme qui est extrêmement violent, euh, mais qui n'utilisent pas la bonne manière de prise de notes et qui, du coup, galèrent énormément en cours. Euh, j'ai vu des gens qui m'ont sorti ça pour mon cours de réseau en disant euh, que je parle trop vite, tu parles trop vite, j'arrive pas à noter tout ce que tu dis. Bah, t'es pas censé noter tout ce que je dis. <laughs> Et euh, j'ai discuté avec d'autres profs qui ont eu le, qui ont, qui ont les mêmes retours. Euh, non, c'est pas. Vous n'êtes pas censé noter tout ce qu'on dit. Et je pense que il euh, y a beaucoup de prépas qui vous donnent un regard extrêmement scolaire euh, et qui vous donnent des cours un peu version euh, un peu lycée. Et je trouve ça très infantilisant et ça ne vous rend pas service. Parce que vraiment, il faut que vous compreniez. Euh, je suis pas le seul prof. Vous pouvez pas aller voir euh, tous vos profs un par un en leur disant de parler comme si c'était euh, en prépa ou au lycée. Euh, on est dans le supérieur. C'est horrible ce que je suis en train de dire, hein, mais c'est une réalité. Je suis pas en train de vous dire vous n'êtes pas à jour, mais la réalité c'est que euh, on est rentré en cycle ingénieur. Dans le cycle ingénieur, euh, un prof ça parle, ça explique, et il part du principe que vous êtes capable de synthétiser votre prise de notes. Et c'est un travail que vous allez devoir faire parce que euh, là, tout de suite, j'en vois beaucoup, euh, quelques-uns qui, euh, qui ont souvent ce problème. Euh, il faut que vous travaillez là-dessus. Euh, on pourra potentiellement en discuter, si vous voulez, euh, après ce cours-là, sur un prochain cours, de faire un cours où on parlera de prise de notes, euh, parce que c'est une vraie compétence qui s'acquiert, c'est un truc qui se travaille, mais il faut que vous travaillez là-dessus, les gens. Euh, de la même manière. Euh, vous aurez la même euh, dans l'industrie. Il y a aussi le fait que notre but, c'est de vous préparer. Et euh, bah, de la vie réelle, quand vous parlez à un client, quand vous allez dans une conférence, quand vous allez dans un machin, euh, bah, ça va comme ça. Quoi. Et euh, le, le, le client ne peut pas se permettre, euh, ne, enfin, accepte, vous ne pourrez pas vous permettre devant un client de tout noter en disant, écoute, d'abord j'écris, je ne comprends pas trop ce qui se marque, parce que quand on écrit tout ce qui se dit, on n'arrive pas à écouter en même temps, c'est universel. Ne me mentez pas, ne prétendez pas que vous êtes capable d'écrire et suivre en même temps, ce n'est pas possible. Donc, euh, ce que vous devez faire, c'est vous écouter le client, de temps en temps, vous notez des trucs qui sont synthétiques, et d'une manière générale, vous l'écoutez pour pouvoir interagir avec lui. Donc, faites ça. Donc, je sais, c'est un peu violent ce que je dis, mais c'est... Euh, euh, D'abord, on écoute et après, on note en prépa. Bah ouais. Hein. Bah oui, il faut le faire en prépa. Hein. Euh... Ah oui, non, mais. Euh, attendez. Ouais, tu, tu notes, euh, tu screens si c'est sur l'écran. Ouais, tu, tu peux noter les trucs, mais voilà. Mais il y a une chose entre noter des petites synthèses, noter des petits éléments et ensuite se rappeler et ce machin. C'est pas la même chose que. Euh, euh, c'est que c'était pas en prépa. Après, euh, d'abord on écoute, euh, après on note, mais excusez-moi, bah, excusez -moi, bah moi, moi en prépa c'est ce que j'ai fait, il hein, y a pas de miracle. Hein. Et eh oui, le but de la prépa, c'est vous préparer au concours, je sais. Je... Oui, je sais qu'il y a quelque chose qui est extrêmement vicié. Euh, il y a quelque chose d'extrêmement vicié dans la prépa. Euh, mais parce qu'il y a eu une évolution, il fut un temps où la prépa était là pour faire de vous des bêtes de travail qui étaient capables de... Euh... Avant, la, la force d'un mec qui sortait de prépa, euh, ça est encore, ça l'est encore. Mais... Euh... Généralement, traditionnellement, on considère que la force d'une personne qui sort de prépa, c'est on mentionne un bouquin, on lui dit ce serait cool de lire ce bouquin, et la semaine prochaine, il l'a lu. Euh, et la deuxième force euh, d'une prépa, c'est l'endurance euh, intellectuelle, c'est la capacité de faire un cours de trois heures et d'être capable de suivre. Euh, là où, euh, où quelqu'un qui a pas fait la prépa dit oh, j'arrive plus à suivre ou n'importe quoi. Et, euh, donc mais euh, cette capacité. C'est surtout euh, ça et aujourd'hui j'ai l'impression que les, les les classes de prépa euh, forment surtout à faire des sortes de d'automates qui apprennent des exercices par cœur et c'est euh, extrêmement euh, euh, extrêmement, euh, extrêmement compliqué et là tu vois c'est une question qui est extrêmement euh, extrêmement intéressante là qui est posée qui dit euh, quand les cours en live avec des slides, on ne sait pas vraiment ce qui est important. Alors j'aime bien recopier euh, mes slides avec quelques commentaires, mais du coup juste beaucoup d'encre et de temps. Euh, euh, ça typiquement, euh, ça c'est un, un problème parce que euh, euh, là tu perds énormément de temps à écrire. J'imagine que tu dois prendre énormément de temps à la fin de tes cours, le soir après tes cours, à reprendre ce que tu as écrit. Parce qu'à tous les coups, si tu recopies les slides, le temps que tu passes à recopier les slides, tu ne le passes pas à comprendre ce que raconte euh, le prof. Et euh, je pense que ça doit être très, très dangereux. Euh, et surtout, il y a un gros problème qui est, tu ne sais pas vraiment ce qui est important. Et euh, ce que je te conseille de faire, plutôt, c'est pose ton crayon. Pose ton crayon, pose ton machin, et essaye d'écouter le discours et de déceler en live qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Quelle est la structure euh, du discours du prof Dans quelle direction il va hmm, Il a parlé de ça. De quoi il va parler après Parce que vous avez remarqué que quand je parle, je fais toujours une annonce de plan. Hein. Je dis d'abord je fais ça, ensuite je vais parler de ça, de machin. Essaye de comprendre la structure de ce que je raconte. Ça, c'est quelque chose qui reste. Et ensuite, vous pouvez juste noter ces éléments structurels, noter cette synthèse-là. Mais euh, c'est très dangereux de dire, je ne sais pas ce qui est important ou non, je note tout et je verrai après. D'une part, parce que ça veut dire que pendant le cours, tu ne fais pas un travail... Alors, attention, je ne suis pas en train de te, te, te bâcher. Hein. Euh, ce que tu décris, c'est un biais qui est très classique et qui est le biais euh, des gens qui sortent de prépa. Euh, parce que des prêts de, de, de CPGE, parce que je blâme énormément les CPGE, pas les élèves de CPGE, mais les, les profs de CPGE et le système de CPGE pour causer ça. Mais parce que, euh, du coup, euh, ce que tu fais, c'est que tu ne comprends pas en cours, tu écoutes, mais sans compréhension, parce que tu ne sais pas si c'est important ou non. Si tu n'as pas fait cet acte de distinction, de est-ce que ça c'est important, ça c'est détail, ça c'est structurel, ça c'est l'élément critique de ce qu'il cherche à dire, ça c'est vers ça qu'il veut nous amener, ça c'est machin. Donc, c'est comprendre le cours. Tu ne fais pas cet effort de compréhension. À la place, tu fais un effort d'écoute et de recopiage. Donc déjà, c'est mentalement extrêmement taxant. Donc ça doit jouer énormément. Tu dois être crevé à la sortie d'un cours. Tu grattes énormément de papier. Tu sors du cours, tu n'as pas compris. Et tu as besoin de reprendre le cours après le cours. Donc ça, euh, effectivement, euh, ce n'est pas une méthode que je te recommande. Euh, je vais essayer de vous trouver de la documentation et des techniques sur faire de la prise de notes. Mais euh, si vous avez cette technique en, euh, euh, en cycle ingénieur, je pense que vous commencez euh, à vous rendre compte que cette technique ne marche pas trop, ne scale pas en cycle ingénieur. Et c'est pas que avec mes cours, je pense que vous en rendez compte sur la plupart des cours. Euh, donc, euh, euh, ouais. Euh, je vais essayer de vous trouver des ressources pour vous apprendre à faire ça. Euh, je vais essayer de vous parler un peu de, de techniques de prise de notes. Euh, Peut-être après la pause, euh, on va pas tarder à faire une pause là. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est pas grave. J'avais dit que j'allais faire les structures de données, c'est pas grave, on a fait un peu de structures de données. On passe là-dessus, on saute un peu sur tout ce qui, est, tout ce qui touche là-dedans. Euh, mais euh, oui, non, non. Euh, il faut absolument que vous appreniez à, à prendre des notes de manière synthétique. Et prendre des notes, c'est pas tout recopier. Euh, chaque fois vous parlez de faire des pauses alors que nous on est prêts à faire 3 heures de plus à la suite, ouais complètement. Hein. Je me force à faire des pauses parce que moi j'ai le défaut. Euh, on m'appelle torsionnaire parce que moi j'enchaîne 3 heures de cours comme ça. Mais euh, du coup je me force quand même à faire des pauses et puis merde. Euh, la... fait des screens, ouais limite je peux faire des screenshots. Bon dans la vraie vie c'est dur de faire des screenshots. La force de la prépa, prendre les élèves, à rester de marbre, rester focus quand un coller s'achène sur toi. Oui, il y a beaucoup de brimades et beaucoup de violences en... en CPGE. Ce... Je j'ai un regard assez euh, négatif sur les sur les, sur la CPGE d'une manière générale, hein, si vous voulez mon avis. Euh. Je trouve que, paradoxalement, allez, je me permets un tout petit troll. Après c'est la pause. Euh, J'ai un regard qui est beaucoup plus positif envers les, les prépas type Cagne que les prépas euh, MPSI. J'ai un regard très négatif sur les MPSI, mais c'est bon. c'est vraiment un regard personnel. Hein. Je trouve que les gens qui sortent de MPSI généralement euh, ont été violentés. Et ça se voit. Euh, ça se voit dans leur manière de fonctionner. Ils ont été violentés. Et j'aime pas ça. Et euh, je sais, oh ouais, alors la piscine aussi, c'est de la violence. Euh, euh, et ça crée un système qui est, je trouve, très infantilisant parce que ça reste... Euh, parce que ça reste un peu du lycée, quoi. Ça reste réglementé. On te dit ce qu'il faut faire. On te dit qu'il y a l'exo. Si t'as ton exam, t'as ton DS le matin, t'as ton partiel, t'as ton machin, euh, t'as t'école. Et c'est très réglementé et, et ça te laisse pas d'autonomie. Et ça t'apprend en, à encaisser, mais ça t'apprend pas à, euh, ça t'apprend pas euh, à t'organiser, je trouve. Et donc, du coup, euh, ouais, c'est sûr, comme tu le dis, euh, le rythme de travail de la piscine, euh, ça passe. Mais le problème, c'est qu'il y a un jeu de compétences que je trouve euh, 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 y, qui vous manque et qui vous fait extrêmement de douleur lorsque vous arrivez en école d'ingé. Euh, c'est justement, euh, on vous jette un peu de l'autonomie. On, euh, euh, on, on, on a un peu ce, ce running gag. Euh, des, des gens qui disent j'ai souffert en prépa maintenant je pars à l'ENS euh, je, je vais dans l'associatif je me torche la gueule parce que euh, je découvre la vie euh, j'ai pas vécu pendant, euh, pendant tout, tout ce temps là euh, maintenant j'ai de la vie je découvre l'alcool je fais comme comédies à la suite le MDR je prends la clope euh, euh, voilà et surtout euh, on trouve des gens qui ne savent pas s'organiser au niveau de leur rythme de travail parce que là c'est pas nous qui rythmons le truc on vous donne des connaissances on parle du principe que vous êtes capable de, de les apprendre enfin bref je commence à radoter euh, c'est des discussions qu'on peut avoir, mais tout ça pour dire, euh, même si c'est euh, extrêmement violent ce que je dis, j'ai conscience que c'est extrêmement violent ce que je dis, euh, ne demandez pas au prof de ralentir afin que vous puissiez prendre des notes et recopier ce qu'il dit. C'est à vous de changer la manière dont vous prenez des notes, euh, parce qu'on sait que l'ingénieur, c'est comme ça que ça se passe. Euh, et le secret que je dis, voilà, je termine sur ça en 30 secondes, euh, arrêtez de tout recopier sans savoir si c'est important ou non. Écoutez, posez votre stylo, écoutez et faites une écoute active en essayant de vous dire qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de dire, quelle est la structure dans ce qu'il dit, c'est de vous représenter hein, le machin, vers quoi il veut nous amener, quel est le point essentiel et machin. En live, il faut vous déceler, les choses qui sont importantes ou non. Et ensuite, ces choses importantes, on les note. C'est comme ça qu'on écoute un cours. Il n'y a pas de miracle, c'est pas moi qui sors ça de mon cul, toutes les études l'ont dit. Euh, sur ce... Euh, je vous propose une petite pause. Il est 48. On se fait 15 minutes de pause. On reprend à midi 5. Allez. Euh, comme ça, moi, j'ai besoin de me dégourdir la jambe. Je vous avoue, je ne suis pas le plus réveillé des mondes. Comme je vous ai dit, je sors d'une nuit blanche. Euh, euh, et j'ai une conférence ce soir. Donc, euh, euh, je vais me, me prends de l'eau. Euh, petite pause. On se revoit dans 15 minutes à midi 5. Tchou tchou. Re. Un jour, j'aurai mon SM7B. Un jour, j'aurai mon SM7B. Euh, petite pause. Ah, ça me fait du bien. Oh là là. Oh, je vous cache pas que je suis, euh, je suis dans l'univers, moi. L'ensemble, <laughs> c'est dur. Euh, mais bref. C'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Euh, du coup... Euh, donc ce matin pendant la première moitié du cours on a commencé tranquillement pour la petite réponse de questions on a parlé de data structure rapidement et ensuite on s'est un peu attardé sur euh, un truc un peu plus euh, plus transverse qui était la, euh, la prise de notes et l'écoute en cours et, et d'une manière générale le, le rapport au savoir qu'on a euh, lorsqu'on est euh, en séklingé. Ce qui, je pense, euh, doit... Je me rends compte de plus en plus quand j'interagis avec vous hein, qu'il y, euh, qu y a une forme de, de choc culturel. Et euh, c'est normal, hein, c'est normal. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une forme de, de, de choc culturel euh, au niveau des attentes. Euh, et parce que j'ai l'impression que la, la manière dont on, a, dont on interagit avec vous est extrêmement différente de celle de la prépa. Euh, je pense par exemple le fait que euh, bah très souvent en fait quand, quand on vous donne un truc à faire, on vous dit euh, euh, bah voilà moi je vous ai donné les bases, je vous ai donné les pistes, maintenant euh, maintenant faites le chemin, apprenez, débrouillez-vous, faites des recherches. Et j'ai pas l'impression, je peux me tromper. Hein, mais je n'ai pas l'impression que ce soit un exercice avec lequel vous êtes familier. Euh, C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez tendance, et c'est normal pour l'instant, hein, euh, lorsque vous avez un projet à faire ou euh, un truc à rendre, un exercice à faire, que tous les éléments pour faire cet exercice euh, sont présents dans le cours qui a été donné. Et donc l'exercice est une application et une mise en pratique et une illustration de ces concepts afin de valider que ces connaissances ont bien été là. Et du coup, il euh, y a un peu de ça, mais en cycle ingénieur, il y a beaucoup des exercices qui sont des exercices euh, qui vous demandent un travail de recherche, qui vous demandent d'aller plus loin parce que les concepts qu'on commence à manipuler euh, nécessitent le nécessite de, de faire un système où en cours on présente la base, le cours devient un endroit où euh, on, donne les... on donne les bases, on vous dit où aller chercher et pendant l'exercice, vous allez chercher. Et ensuite, on aide, on... on aide les gens qui sont un peu trop bloqués. Mais euh, j'ai l'impression que vous n'êtes pas familier encore avec cette forme d'exercice et qu'elle euh... qu vous fait un peu violence. Et... et je le vois dans beaucoup des questions qui sont posées, bah, par exemple, sur le truc de réseau, hein, euh, où je vois des gens qui disent « Alors, qu'est-ce qu'il le disent Dans le cours, il a dit qu'il fallait appuyer sur tel machin. Euh, dans le cours, il avait dit, dans le papier, il a dit que c'était tel machin. Et... » En fait, ce qu'il qu faut comprendre, c'est qu'il y a moi ce que je dis en cours, il euh, y a ce que j'ai marqué rapidement dans le tuto, dans le, dans le sujet parce que c'est un peu guidé, il y a mes vidéos, mais fondamentalement, ce qui fait foi, euh, c'est la bibliographie et j'ai dit, et eh, sinon regardez ici, il euh, y a le machin qui explique. Et euh, au bout d'un, et en fait, l'attente qu'on a et je pense que le choc culturel, il, il, il est là. Après, je dis ça, mais les prépas intégrés ont ce problème aussi. Il faut... Parce que... On euh, vous dire qu'il y a du relâchement, mais... Euh, quand, quand on voit les... Il euh, euh, y, y a des questions, et je ne suis pas là pour vous bâcher sur la question que vous posez, hein, euh, parce que vous êtes là pour apprendre, et apprendre, pas juste le, le contenu des cours, mais aussi des méthodes de travail. Il y a des questions euh, qui sont de l'ordre... Ah, mais là, j'arrive pas, j'essaye de pinguer, ça ne marche pas. Et les gens ils disent, ça ne marche pas. Bah oui, oui, ça ne marche pas. Euh, et super. Et maintenant, tu fais quoi C'est le but de l'exercice. Tu vas sur Google, euh, tu, tu tapes le machin. Putain, comment elle marche la commande pour machin Elle fait ça Tu lis la doc, la doc est linkée en, en, en bibliographie, en annexe. Et si elle n'était pas là, euh, tu aurais Google, tu aurais Trouvé, tu aurais machin. Et en fait, l'attente qu'on a des élèves, c'est pas en mode démerdez-vous, mais c'est dans le sens euh, où vous avez une partie de travail personnel pour compléter et pour vous approprier le cours. Et on ne le fait pas euh, par plaisir sadique, on ne le fait pas euh, parce qu'on n'a pas le temps, on le fait parce que euh, toutes les études de sciences de l'éducation depuis des, des dizaines, voire des centaines d'années, euh, nous ont montré que euh, le moment où se fait l'apprentissage, il se fait dans cette phase d'exercice où l'élève doit euh, surpasser les obstacles qu'il rencontre en... Euh, face à sa compréhension initiale du cours. Le moment où il croit avoir compris, il est confronté à un exercice qui le met face au fait qu'en fait il n'a pas compris et qu'il a besoin de faire des recherches supplémentaires pour dépasser et s'approprier le cours. C'est ce qu'on appelle euh, la rupture épistémologique. J'en ai déjà parlé à, à plusieurs reprises. Mais euh, j'ai l'impression que euh, vous n'êtes pas armé pour l'instant face à ça. Et, et j'ai l'impression que c'est quelque chose sur lequel vous devriez focaliser vos efforts. C'est quelque chose qu'il qu faut que j'en parle également au prépa intégré euh, à un moment. Mais je vois beaucoup des questions qu'on me pose par exemple en réseau, où je vois actuellement beaucoup de questions qui sont posées sur le Discord des, des assistants euh, qui parfois sont, euh, je ne veux pas le dire méchamment, mais euh, enfin, qui parfois mériteraient euh, un travail de recherche personnelle au préalable, pour le dire comme ça c'est pas tant dans le sens euh, ça nous prend du temps bon, il s'avère que oui ça nous prend du temps et on est un peu débordé hein. euh, la file Morpheus vous avez vu que la file des assistants à chaque fois elle est pleine et les assistants sont en train de mourir en ce moment euh, parce qu'ils se passent leur temps à dépiler 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 ils n'ont pas de pause, hein, ils enchaînent les élèves hein. euh, mais il y a aussi le fait que nous ce qu'on veut vous enseigner euh, euh, de la vraie vie il n'y aura pas des assistants il hein. n'y euh, aura, y aura plus les assistants dans la vraie vie et, et à un moment il euh, faut, faut avancer de soi-même quoi et à un moment de la vie, on passe son temps à être face à des problèmes, des choses qu'on ne comprend pas. Et la grande compétence qu'on cherche à vous transmettre là-dessus, et je sais que ce n'est pas du tout une compétence que vous avez travaillé en prépa, c'est d'être face à un truc que vous ne comprenez absolument pas. Et il euh, faut se servir d'un corpus qui se trouve sur Internet, euh, de bibliographies, de trucs qui ont été mentionnés. Et il faut se démerder pour retrouver le chemin. Quoi. Donc euh, voilà, c'est pour vous dire, j'ai l'impression que. Euh, essayez de concentrer vos efforts sur ça, euh, au moins pendant quelques jours. Euh, plutôt que de, que de continuer à foncer tête baissée, euh, parce que là, votre méthode actuelle, j'ai l'impression qu'elle ne va pas scale. Euh, je vois alors, oui, dans le sens, euh, tu es d'accord avec moi ou <laughs> euh, La prépare en dépendant au cours, et c'est en partie pour ça que le système est mauvais Oui, je pense qu'il y a un peu de ça, oui. Je pense qu'il y a un peu de ça, parce que euh, la construction euh, d'une école d'ingé, en particulier d'une école d'ingé comme Epita, euh, c'est que le rapport au savoir a complètement changé avec l'arrivée d'internet, D'autant plus comme nous, euh, nous sommes dans le numérique, euh, on est. Euh, enfin, on, est, on On sait ce que c'est que les nouvelles technologies. Euh, le, le rapport au savoir n'est pas du tout le même. Ça sert à rien d'apprendre par cœur un truc que je peux trouver avec une recherche Google. Pourquoi j'apprendrais par cœur euh, l'algorithme de DXTRA euh, pour la recherche du plus court chemin dans un graphe si je sais que cet algo existe, je sais c'est quoi son nom, je n'ai pas tous ses détails, je sais à peu près dans quel cas je m'en sers, dans quel cas je ne m'en sers pas. Et le jour où je le coder, j'ai une recherche Google. On n'est pas à l'époque où je devais me rendre physiquement dans une bibliothèque, et aller choper un bouquin, les machins et tout ça. De la même manière, vous avez vu qu'en cours de réseau, euh, je parle des protocoles, mais j'ouvre pas les détails de comment il y a ça. Le jour où on en a besoin, on les ouvre. Et de la même manière, il y a des choses que je mentionne. Euh, ça ne sert à rien de stocker tout ce qui est marqué dans euh, CPP référence parce que j'ai dit, regardez, il y a Vector, il y avait machin et tout ça. Le jour où vous vous êtes retrouvé dessus, vous notez que c'était CPP référence, vous allez dans le container, vous retrouvez, ils ont peut pour vous balader. Et dans, dans ce sens, le, le rapport au savoir n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que nous, en cours, en cycle ingénieur, notre objectif n'est pas de vous transmettre 100% du savoir et 100% des choses qu'il faut savoir. Et que du coup, tous les exercices, la solution se trouve dans le cours parce qu'on a bien gratté le cours. C'est pas de tout ça en cycle ingénieur. Et en tout cas, à l'EPITA. Euh, à l'EPITA, et d'une manière générale, de plus en plus dans tous les cycles ingénieurs, euh, on part du principe que la connaissance existe ailleurs et le but du cours est de contextualiser cette connaissance. Le but du cours est de vous préparer en, euh, en disant. Que euh, la bibliographie c'est ça, euh, les mots clés c'est ça. Attention quand tu vas faire ta recherche, il y a ça qui est un moment casse-gueule parce que moi je sais que quand je l'ai appris, je me suis cassé la gueule sur ça. Il y a ça qui est casse-gueule, ça c'est une subtilité, ça vous pouvez ignorer, ça c'est machin. Et donc en fait, le travail du cours est un travail de préparation, de défrichage. Et ensuite, on vous donne des exercices et des projets qui vous font travailler. Et euh à un moment, je vais être un peu méchant, mais je vois beaucoup de personnes qui posaient la question euh, euh, le coup de la, de la... le VboxNet qui marchait pas euh, sur VirtualBox, sur GNS3. J'ai littéralement tapé GNS3 VboxNet 0 sur Google, et j'ai eu un premier lien avec un mec qui m'expliquait tous les trucs. J'ai posté ce en disant hey, « Eh, ça se trouve, c'est ça. » Et il y a un mec qui, qui m'a déjà répondu en disant « Ah oui, putain, ça marche mieux. J'ai fait ça pendant la pause. » Je suis en mode « Bah... » Enfin, t'avais besoin de moi pour que je tape GNS3 VboxNet 0, quoi donc, euh, je ne dis pas d'une manière méchante, mais <laughs> vous voyez, euh, le coup de ce pas dit dans le cours, euh, ça va arriver dans mon cours et dans tous les autres cours aussi. Le cycle ingénieur, c'est comme ça. Donc voilà. Et il faut que j'arrête parce que je, je commence à radoter pas mal. Euh, mais vraiment, j'insiste et, et juste retenez, je ne dis pas ça pour vous bâcher. Je ne suis pas en train de vous bâcher. Euh, c'est normal que vous ayez cette souffrance. En fait, c'est moi qui suis en train de me rendre compte euh, que vous avez des difficultés là-dessus et que je suis en train d'essayer de vous donner des, des pistes et de vous recalibrer pour vous donner des, des armes là-dessus. Je ne suis pas du tout en train de vous euh, euh, bâcher, vous dire que ça va mal, vous dire que vous êtes mauvais, ce n'est pas du tout le cas. Euh, je vois que vous avez des lacunes là-dessus, ce n'est pas un problème, ce n'est pas honteux, on a tous des lacunes sur quelque chose. Euh, c'est quelque chose qu'on qu ne vous a pas enseigné. Je pensais qu'on vous l'avait enseigné, mais on ne vous l'a pas enseigné, bah et, et là-dessus, donc on va recalibrer de notre côté, et c'est ce que, ce que je suis en train de faire. Donc, je ne suis pas du tout en train de vous bâcher. Et c'est normal, du coup, étant donné votre parcours, que vous ayez ces difficultés-là. Donc, euh, voilà, c'est juste que je, je prends acte du fait que vous avez cette difficulté. Et j'essaie de vous donner quelques pistes. <laughs> voilà, c'est. Qu'on qu ne dise pas que j'ai que, que, que passé une heure à vous engueuler parce que vous ne savez pas prendre des notes, c'est pas du tout ça. Euh, bref. Bref, bref, bref. Euh, Est-ce que les gens. Par inverse, pas peur de déranger. Ah oui, bah ça c'est le problème inverse. Faut savoir demander de l'aide. C'est laborieux, mais de la vie, il faut savoir demander de l'aide euh, même quand c'est compliqué. Euh, bref. Est-ce qu'on euh, est qu continue à parler de, de prise de notes, de comment ça marche le cycle ingénieur ou trucs comme ça? Euh, ou est-ce qu'on continue sur les structures de données euh, Moi je pense que je vais arrêter de vous faire chier sur le... Sur, sur, euh, sur la prise de notes et machin, je pense qu'on peut avancer un peu, ouais voilà on avance. Je pense qu'on peut avancer un peu, retourner sur les structures de données et voyez ça comme un exercice. ouais structure c'est plus intéressant, ouais je sais, mais il euh, y avait un problème à résoudre. <laughs> bah faites l'exercice, euh, faites l'exercice d'essayer de euh, de poser votre stylo là pendant le cours et essayer de comprendre ce que je raconte. Enfin, je dis pas qu'avant vous compreniez pas, mais ouais essayez de faire l'exercice. Euh, bref, euh, au moment où on s'était arrêté, donc on avait euh, distingué euh, trois grands types de conteneurs. Je vais en dessiner un troisième euh, ici, du coup. Euh, je vais en dessiner un troisième euh, ici, et je ne sais pas comment trop le nommer, mais. Je vais l'appeler modèle. C'est pas le plus formel, c'est pas vraiment le bon terme. Mais ce que je veux dire par modèle, c'est que c'est quelque chose qui modélise le réel. Et on fait ces structures de données parce que c'est euh, naturellement la structure que prend la donnée telle que je la trouve dans la nature ou telle que je dois la manipuler. Donc les deux grands trucs, j'en ai a plein. Hein, mais s'il y a deux grands trucs principaux que vous allez voir, hein, c'est euh, les arbres. Pas les arbres de recherche. Mais les arbres, euh, arbres quoi, parce que la structure de données, la, les données qu'on manipule ont une structure arborescente dans leur essence. Donc par exemple, hein, on, avait, euh, on avait les AST et euh, on avait les FEL systems et tout ça. Et l'autre dont on aura l'occasion de beaucoup s'amuser avec, c'est euh, les graphes. Et euh, les graphes, on va beaucoup s'amuser avec les graphes. Parce que les graphes, c'est généralement le moment où tout le monde se pète la gueule. Historiquement, d'expérience, quand on commence à parler de graphes, c'est le moment où tout le monde se pète la gueule. Euh, surtout lorsque on, on les manipule d'une manière. Euh, euh, surtout lorsqu'on les manipule. J'essaie de trouver les bons mots. Lorsqu'on les met peu d'une manière académique. Voilà, je vais dire ça comme ça. Parce que, comme tous les trucs dont je suis en train de parler, il y a vraiment les graphes. Euh, il y a les graphes du Cormen et les graphes du programmeur, on va dire. Les graphes du Cormen, les graphes complets, les graphes bipartis, les composantes connexes, les composantes fortement connexes et blablabla. Bla bla, et nia nia est argent. Et oh là 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 là. Et, 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 C'est des trucs absolument infects. Et il euh, y a les graphes euh, un peu euh, que je manipule parce que moi je suis un programmeur et là j'ai besoin de graphes et donc je les manipule comme ça. Une question, euh, un arbre c'est un graphe. Oui tu peux voir ça comme une forme de tu peux voir ça comme une forme de, de graphe qui a une direction qui est acyclique mais euh, ouais, est un... est un... tu peux voir ça comme un cas particulier de... comme un cas particulier de graphe ouais. mais généralement euh, on n'implémente pas ça de la même manière. Euh, donc voilà, il y a pas mal de, de choses à aborder. Et on a vu rapidement que dans les search trees, donc ici, euh, pour lui, euh, euh, CF page suivante. Euh, CF page suivante. Celui où je parle de... Euh, les arbres auto, euh, auto équilibrés avec les AVL et les red black, mais vraiment celui qu'il faut retenir euh, c'est les red black, les red black tree pour faire de, de l'auto équilibrage. Donc voilà, on a pas mal de choses à voir, comme vous le voyez. Euh, ce que je vous propose déjà c'est qu'on fasse un inventaire rapide pour euh, chacun de ces trucs là. Alors, pas tant les trucs de modèles, parce que les modèles, on ne peut pas vraiment voir. Mais pour chacun de ces trucs-là, euh, c'est différentes complexités. Et on... et on étudie, on essaye de voir c'est quoi leur complexité. Et comme ça, on commence à se faire une sorte d'inventaire des différents trucs qu'on a fait. Alors, commençons. Euh... Allez, on va commencer simple. On va commencer avec euh, la liste chaînée. Donc une linked list, et je vais commencer débilement, on va dire une liste chaînée, euh, simplement chaînée, pas de, double, euh, pas de double chaîne, donc pas de prèves, et euh, pas de sentinelle. La sentinelle, c'est ce premier truc au-dessus qui pointe à la fois sur la tête et sur la fin. Je me force, euh, je me force à être con. Donc c'est-à-dire, euh, si je prends euh, rapidement euh, une, euh, une définition de cette structure, on va la coder rapidement, je booste juste un peu le... Vous devrez arriver à voir... Euh, on va faire python, on va commencer à euh, simple ll. Oups, quoi, je vais toutes les mettre dans le même fichier. ll.py, ll pour linked list. Alors il faut le vim avant, hein, ça marche mieux quand on l'écrit plutôt que le lancer. Euh, donc là je marque class mais comprenez struct. Hein. Je marque class mais, mais, mais comprenez struct. Hein. Euh, ou je peux vous le faire en hein, C aussi, on s'en fout, c'est pas, pas important. Euh... Là, on va commencer avec la simple linked list qui est vraiment euh, on ne peut plus conne et elle c'est super simple. Euh... Ah d'ailleurs, vous pouvez faire un truc un peu marrant tiens. pour gagner du temps. Je vais juste le faire parce que c'est plus rapide. Euh, vous connaissez un truc qui s'appelle les data classes en Python Non, ça ça, ça m'étonnerait que vous connaissiez, mais c'est une manière super rapide d'écrire. C'est juste un, du sucre syntaxique pour écrire rapidement euh, des classes. Vous pouvez faire les, les noms comme ça. C'est juste que ça nous génère automatiquement ça, c'est tout. Donc peut-être qu'à un moment j'écrirai ça. Je vais essayer de pas trop le faire, mais si à un moment vous voulez écrire une data classe, c'est juste ça pour aller plus vite. Euh, bref. Euh, allez, je le fais quand même à l'ancienne. Je euh, sais quoi ma version de Python. Parce que je ne sais pas si j'ai le bon Python. Ouais, non, Python 3. Ah, 3.5, bah, je l'ai pas. Donc la, la question est réglée. Euh... En fait, c'est super simple parce que euh... Une, euh... une liste chaînée euh, simple, chaque élément, en fait, c'est un... ça possède une valeur. D'ailleurs, tu vas la prendre en, en paramètre. Et un... plus. Et un, euh, et un next. Et regardez, euh, c'est assez intéressant parce qu'il y a une confusion qui se fait entre la liste et les éléments de la liste. Ça veut dire que ça, c'est à la fois la liste dans son ensemble et à la fois euh, juste euh, le premier élément. Vous voyez un peu cette sorte de confusion Donc je parle vraiment de cette implémentation. Donc du coup, euh, quelle est la complexité d'un ajout en, euh, je reviens là-dessus. Quelle est la complexité d'un ajout en tête, un prépend. C'est quoi la complexité de c'est quoi la complexité d'un ajout en tête Réfléchissons un peu. Ça, ça doit être super rapide. C'est bien sûr, une complexité au 2-1. Quelle que soit la taille de ma liste, euh, l'algorithme, il est d'une trivialité. Hein, euh... Brand euh... L-val. Euh... Euh... New euh, node est égal à euh, simple euh, link list de val. Uh, new node. De. Next. Je pourrais le prendre en paramètres, allez Allez, ouais, on va être propre. Uh, next égale none. Next. Ah uh, next est déjà pris. Bon, hein. oh, si ça doit. Euh, euh. Uh, Et toi, tu prends l et je return l parce que c'est la nouvelle tête. Donc ça, c'est euh, quel que soit le nombre d'éléments, ce sera toujours la même chose. Donc ici, effectivement, euh, on est d'accord, on est en O de Maintenant, c'est quoi la complexité d'un append? Append, c'est le mettre à la fin. Ici, j'ai pas de sentinelle. Ici, bien sûr, euh, dans le pire des cas, enfin même dans tous les cas, je dois me rendre à la toute fin. Donc forcément, je vais voir autant, je vais faire autant de parcours qu'il y a d'éléments. Donc je suis en N, je suis en linéaire, forcément. Et en gros, je vais me balader jusqu'à tomber sur la fin. Alors attention, tu marques petit O de N, attention, mais un grand O, grand O de N. Ce n'est pas la même chose, petit O et grand O. Euh, mais oui, la peine, forcément, est en grand O de N. Euh, la recherche d'un élément. Je cherche un élément en particulier. Est-ce que cet élément existe C'est pareil. Je vous rappelle, le grand O, on est dans le pire des cas. Dans le pire des cas, l'élément il les trouve tout à la fin. On est en linéaire. Euh... Euh, Effacer. Alors, une question est-ce que je peux réexpliquer le rôle d'une sentinelle Ouais, euh, je vais expliquer un peu le rôle de la sentinelle, je me rends compte. Ouais, ça pointe vers la tête et vers la fin. Euh, je vais terminer un peu avec, ce, avec cette liste et ses complexités, et après, la prochaine, euh, je la fais avec sentinelle, et, euh, et tu, vas, tu vas comprendre. Euh, erase. Donc, erase il y a deux variantes du erase. Il y aurait un erase où. Euh, tu me passes juste une valeur et je dois trouver le bon nœud. Et il y a le erase où tu me passes directement le nœud que je peux manipuler. Mais dans tous les cas, je vais avoir besoin du preview sous n'importe quoi. Pour effacer une valeur, je dois la chercher. Donc forcément, je suis similaire. Par contre, euh, euh, une fois que j'ai trouvé mon élément, l'erase en lui-même est en temps constant. Parce que j'ai juste à faire, euh, à faire un, un jeu de tchac 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 et je suis tranquille. Euh, J'essaie de voir est-ce que j'ai d'autres trucs qui m'intéressent comme complexité pour l'instant. Non, c'est la base. Euh, J'entends rapidement. Donc du coup, on va faire une nouvelle, un, une nouvelle liste chaînée. Avec Sentinel. Et ensuite, je vais la doubler. Je vais le faire en deux temps. Je vais ensuite la doubler. Et on va voir euh, ce, que ça, ce que ça nous change. Donc en fait, une sentinelle. Euh, euh, une sentinelle, c'est très très simple. Ah oui, euh, juste avant, très, très intéressant. Euh, Quelqu'un dit euh, pop. Alors quand tu dis pop, tu as pop à droite, tu as pop de la tête et euh, pop head et pop euh, tail. Le, le pop head, il devrait être en temps constant. Et le pop tail. Euh, bah, le dernier élément, bah pareil, faut accéder au dernier élément, donc ce sera en temps, euh, en temps, euh, en temps linéaire. Euh, du coup, pour faire ça, euh, en fait, très souvent, le gros problème, c'est que voit ça en algo. Il euh, y a un peu euh, cette liste chaînée qui sert à la fois de dire ceci est ma liste et en plus qui contient les éléments. Et dès qu'on modifie la tête, on est un peu bien emmerdé. Genre par exemple, mon prepend, je suis obligé de retourner euh, d'ailleurs je dois retourner, retourner new node hein, j'ai une erreur euh, parce que justement je modifie la tête et j'ai un peu ce problème vous voyez dès que je quand je touche pas à la tête je peux modifier en place mais quand je touche à la tête euh, bah le truc est invalidé blablabla bla bla. vous voyez un peu le problème que ça crée et en plus euh, je peux avoir que la tête et par exemple, je voudrais bien avoir la taille de la liste. Tiens, bah un exemple, c'était calculer la taille de la liste. Bah là, calculer la taille de la liste, il n'y a pas de miracle, je dois, je dois étirer partout et je dois compter. Maintenant, imaginons que j'ai, j'efface ça, hein. euh, plutôt... Voilà, oh je le garde ici, et je me, mets, je me mets ici, et je fais une, je vais appeler ça la, la link list tout court. Mais elle, regardez. Elle, elle ne prend pas de valeur en paramètre. Elle ne prend pas des next. Elle ne prend pas des machins. Mais elle va avoir un truc qui s'appelle. Euh, il y a une autre struct. Là, je ma classe, mais euh, c'est une autre struct. Que je vais appeler euh, node. Je ne la définis pas pour l'instant. Pas, Ça veut dire que j'y reviendrai plus tard. Et en gros. Eh bien, euh, je peux avoir euh, une, taille, une, une taille, une tête, une head, euh, une tête qui elle est de type listNode. Vous voyez, vous voyez le truc Et l'avantage, c'est quoi C'est que maintenant, si je fais la fonction euh, prepend. Donc ça, soit je, je, je le fais en méthode ici euh, ou bien vous faites une fonction externe qui prend ça en paramètre. C'est pareil. Hein. Euh, comprenez que quand je fais quand je fais euh, une méthode une méthode prepend c'est comme si je faisais un list prepend qui prenait en paramètre la liste et ensuite euh, la valeur. Hein. C'est exactement la même chose. Hein. C'est juste de la notation. Hein. Si vous faites l.prepend de val c'est la même chose que list prepend avec l et val. C'est juste du sucre syntaxique. C'est pour ça que ce self, ce self représente ce premier paramètre magique. C'est juste qu'en fait, il prend le premier paramètre qui est ici, là, enfin le point, et il s'en sert comme paramètre ici. Hein. L'objet, c'est le foutage de gueule. Hein. C'est juste ça. C'est juste un truc syntaxique. Hein. Bref, c'est pour ça. Je vais faire la méthode parce que c'est plus propre. Euh, mais ici, j'ai pas de cas particulier super chelou ou n'importe quoi. Tout ce que je peux faire, c'est faire à ah, euh, le new node qui est égal à. Euh, listnode avec justement euh, val et euh, self.head et que euh, self.head est égal à new node. Et en fait, ouais, juste, à, juste à piquer ça. Et en fait, du coup, euh, ça c'est interne. Ça c'est interne dans le sens où euh, quand je manipule ma liste et que je veux ajouter des éléments, je, je manipule pas euh, je ne manipule, euh, manipule pas directement une liste notes. Tu me dis eh j'ai besoin d'une liste Donc là je suis dans mon code applicatif. Hein. Louloulou, je suis dans mon code applicatif. Euh, my list est égal à une linked list. Vous voyez et ensuite, je peux faire un euh, mylist.prepend de euh, 42. Mylist.prepend de 51. Et si je veux itérer dessus, là, ce que je vais faire, je vais faire les... Euh, ce que je vais faire avec une boucle for, ce serait, là, j'aurai un... Euh, en, en vrai, en... En Python, je ferai des tricks pour pouvoir itérer dessus facilement n'importe quoi. Mais supposons que je le faire en, en, en pseudo C, très très débile. Mais j'aurai un current node qui correspond à mylist.head. Et euh, while current node, blablabla, 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 current node est égal à current euh, euh, .next Ah, c'est mon poignet, excusez-moi. Vous voyez, c'est un peu ça ce que j'appelle une sentinelle, c'est d'avoir ce premier élément euh, là-dessus. L'avantage, c'est que du coup, par exemple, je pourrais avoir un euh, self.size qui vaut 0, et à chaque fois que je prépend, je dis que self.size euh, est égal à un crément de 1, par exemple. Et comme ça, j'ai ma size. C'est un trade-off parce que euh, je stocke un truc. Mais l'avantage, c'est que je n'ai pas le recalculé. Ça prend plus de place. Il y a généralement toujours ce trade-off entre prendre de la place ou être plus rapide. Et du coup, euh, passer sur une liste euh, euh, doublement, euh, doublement, euh, enfin doublement chaînée, même pas, on peut rester pour l'instant en simplement chaînée. Mais par exemple, actuellement, là, si je veux faire mon append, là, actuellement, il n'y a pas de miracle. Je dois itérer. Actuellement, là tout de suite, ce que je dois faire, bah, je suis obligé de faire ça. Hein. Je suis obligé de faire cure est égal à self.head euh, while alors en vrai, j'aurais codé un truc, une méthode spéciale qui me permet d'itérer rapidement. Ni ni J'en parle pas. Je suis pas là pour faire du pythonnery. Euh, while cure euh, cure est égal à cure.next point next et, euh, et là euh, J'arrive ici, mais je suis sur mon élément final. Mais je dois me souvenir de mon élément précédent parce que c'est la merde, parce que blablabla, bla bla, euh, parce que nia et tout ça. Donc je dois dire if cœur.next euh, is none ou euh, if euh, plutôt if not euh, cœur.next Là je fais mon insertion. Euh, pardon. Et là, 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 je vais faire mon insertion. Parce que je suis sur le grand-père. Enfin, je suis sur l'avant-dernier plutôt. Vous voyez à peu près la logique. Donc là, euh, que, comme on fait pour append, hein, euh, vous avez vu, vous faites le machin. Mais je peux me simplifier la vie. Je peux me simplifier la vie comment En ayant à tout moment un euh, dans ma linked list. Un head et un tail qui contient le dernier élément. Il faut juste être, faire un tout petit peu plus gaffe au niveau du prepend, euh, au niveau du append ou du prepend ou du machin, parce qu'il faut qu'on gère le cas, parce qu'il faut mettre à jour euh, tail. Au départ, tail euh, il pointe sur rien, mais si jamais euh, self.head était vide, Comprenez que si est le point était vide, je dois également euh, mettre à jour la, la queue. Il y a juste à faire gaffe à ce truc-là pour bien synchroniser euh, la tête et le début. Il y a toujours ce cas particulier un peu chiant euh, de ça. Vous pouvez le simplifier ces cas particuliers en mettant un faux nœud au début ou blablabla. Mais toujours est-il que là, euh, du coup, euh, mon code il est super simplifié. Parce que le à peine, maintenant, je peux juste me baser sur tail. Et, euh, et dire, bah, euh, si j'ai pas de tail, ça veut dire que je suis nul. Et comme ces deux-là sont toujours nuls en même temps, vu que quand j'ajoute sur l'un, euh, quel que soit l'endroit où j'ajoute, si tail est nul, bah. Euh, euh, bah Self.tail est égal à. Euh, euh, new node. Et. Euh, bah la, la tête aussi hein. parce que j'ai qu'un seul élément donc forcément c'est la tête et les machins. On fait le new node. New node est égal à list node euh, val none. Et, euh, et sinon ouais, plutôt on va faire un L c'est plus c'est plus pitonesque. Euh, sinon bah c'est super simple hein euh. Self.tail.next euh, est égal à euh, new node. Euh, Self.tail est égal à new node. Et là, du coup, je suis passé en temps constant. Donc, vous voyez, je n'ai pas besoin de listes doublement enchaînées. Il y a moyen de faire des trucs encore plus funky. Il euh, y a moyen de faire des, des listes doublement enchaînées circulaires. Euh, une liste circulaire, euh, c'est une liste où le next de la, taille, de la tail. Euh, c'est euh, c'est le head ça se, ça se mange comme ça euh, donc du coup il faut faire attention quand on itère parce qu'on ne on s'arrête pas euh, quand c'est nul on s'arrête quand, quand on est égal à la, à la tête euh, mais ça a ses utilités et euh, la fameuse là, et on peut sinon là euh, faire des, des chaînages doubles le chaînage simple est suffisant euh, lorsque tout ce que je fais c'est ajouter en tête et ajouter en fin mais dès qu'on se retrouve à vouloir euh, ajouter au milieu ou supprimer au milieu, ça devient vachement pratique d'avoir un, un prev d'avoir euh, une liste doublement enchaînée. Mais ça ne va pas radicalement changer la complexité. Ça va simplifier le code, mais ça ne va pas radicalement changer la complexité. Donc du coup... Avec la sentinelle, la doublement chaînée, euh, bah, c'est avec les preuves et tout ça. Vous avez eu, vous avez eu à l'affaire, donc je vous la code pas. Mais comprenez au niveau des complexités que la grande différence, c'est que le append est devenu en temps constant. Mais sinon, la, le reste des éléments, c'est plutôt, euh, plutôt la même chose. J'avance un peu. Euh, quid du. Euh, euh, quid du vector. Le vector, c'est très intéressant parce que le append. Réfléchissons, quand on le code on en C, j'en avais parlé en cours euh, dans la piscine, on aurait tendance à croire qu'on est en complexité linéaire parce que euh, parfois, quand je veux append, j'ai plus de place dans le tableau et je dois réalloc. Et ce pas parce qu'on ne le voit pas en Python que c'est pas quelque chose qu'en vrai il est en train de faire. Il hein. n'y a pas de miracle. Un Python, c'est codé en C. Et à un moment, c'est ce qu'il fait. Il hein. n'y a pas de miracle. Hein. Euh... Et donc, du coup, euh, quand le réalloc nous réalloue sur un nouvel endroit, on doit recopier tout le truc. Et recopier, c'est en temps linéaire. Mais... Et donc, ça prend du temps. Donc, on est en train de se dire, ah putain, merde, c'est chiant. Mais il s'avère, je ne vais pas vous faire la démonstration, que on dit que d'une manière amortie, par le fait que ça n'arrive pas souvent, si en fait on double la taille à chaque fois qu'on atteint sa capacité, il s'avère que de manière amortie, dans un vecteur, l'append étant euh, au 2 1. Bon, par contre, le prepend. Vous comprenez bien que le prepend d'un vecteur, si euh, je le mets au tout début, il n'y a pas de miracle, je dois décaler tout le monde. C'est chiant. Et donc ça va être Linéaire. Et en plus, quand je devrais décaler, j'aurais pas de place et je devrais réallouer et redoubler. Mais ça aussi, c'est linéaire. Donc au pire, je suis deux fois linéaire, mais je reste linéaire. Mais en tout cas, pas glope. Euh euh, je suis en linéaire, il n'y a pas de miracle. Par contre, le get entre guillemets, d'un euh, élément étant donné un index. Je pouvais l'avoir aussi, je ne l'avais pas marqué euh, ici, mais euh, je devrais le marquer, mais le, pas le temps, le search, mais le get étant donné un index. Le get sur la liste chaînée étant donné un index, il n'y a pas de miracle, je pars de la tête et je saute, je saute, je saute n fois. Donc je suis... Euh, je suis, euh, je suis linéaire. C'est ce qu'on appelle un accès arbitraire, pour accéder à une case arbitraire. Je suis linéaire sur les listes chaînées, même avec elle en sentinelle. Par contre, ici, le get, pas tant étant donné une valeur, mais étant donné un, un index, lui, c'est quoi le grand avantage du vecteur C'est qu'il est constant là-dessus. Bah, arithmétique des pointeurs, euh, la taille du début, euh, plus l'index, euh, bim bam boum, on est parti. Hein. Donc, euh, le vecteur, il y a une autre raison pour laquelle vous allez le voir, c'est que, paradoxalement, paradoxalement, euh, si on fait un add euh, au milieu, on ajoute un index, vous êtes peut-être en train de vous dire « Ah, mais oui, euh, lui, là, le, le erase, euh, le erase, en supposant que je sois pile poil au bon endroit, si tu me donnes dans une liste doublement enchaînée euh, un erase ou un truc à ajouter euh, pile poil au, au bon endroit, c'est facile pour moi, je le fais en temps constant. Tchac, 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 juste à jouer avec les fils. Alors que lui, ici, il sera forcément en linéaire parce que je devrais décaler. Et au pire des cas, tu me l'as dit, au pire des cas, le add dans un index est un prépend et je dois tout décaler. Et du coup, c'est là que ça va devenir très what the fuck ce que je vais vous dire. Sur le papier, sur le papier, théoriquement, théoriquement, euh, euh, la liste chaînée est mieux la bonne liste chaînée, celle avec une sentinelle doublement chaînée, blablabla, bla 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 bla. elle est mieux que le vecteur lorsque je dois faire des insertions et des délétions à des endroits arbitraires au milieu euh, de la collection. Sur le papier, c'est ce qui hein. est dit. C'est ce que disent les calculs de complexité. Eh bien, je vais vous surprendre, mais en pratique, c'est plus rapide avec un vecteur. Parce que, il euh, y a un truc tout con, le CPU... Euh, N'est pas con. Et en fait, ce que fait un CPU, euh, c'est qu'il part du principe que. Euh, d'un truc qui s'appelle le principe de localité. Il part du principe que quand on manipule, on va chercher en RAM une zone à un endroit, il y a de grandes chances qu'on va aller demander des zones mémoire autour. C'est-à-dire, il fait ce qu'on appelle du prefetching. S'il voit le CPU, c'est vraiment un niveau un hardware hein, que c'est fait, hein. s'il voit que vous faites euh, get euh, arrêt-crochet 0, arrêt-crochet 1, arrêt-crochet 2, il fait tu sais quoi, je ramène les 10 suivants d'un coup et je les, mets, je, les mets, je les mets au chaud parce que je sens que tu vas me les demander. Et en fait, d'une manière générale, lorsqu'on reste local dans les zones mémoire, on a des gains en performance qui éclatent euh, la théorie de la complexité. et le gros problème, euh, c'est que la liste chaînée, on n'a absolument aucune localité. à chaque fois qu'on passe sur un élément suivant, pff, à chaque fois qu'on passe sur un élément suivant, zupla, euh, on a sauté à un endroit complètement différent. et le cpu, comme il a vu que vous aviez accédé à un endroit, il avait préchargé tous les trucs qui se trouvaient à côté. et ça servit à rien. il doit les dropper et rechercher là-dedans. D'une manière générale, lorsqu'on fait du code haute performance, typiquement en C ⁇ quand on fait du C, c ⁇ c'est pour la haute performance, euh, on dit ne faites pas des listes chaînées. À chaque fois que tu déréférences un pointeur, tu dis adieu à tes perf. Bon là, on n'en est pas là, hein, mais c'est quand on fait du code haute performance. Et donc d'une manière générale, même si sur le papier, le vecteur est plus lent, de par le préfetching, euh, le CPU adore tellement les zones contiguës en mémoire, que même si c'est lent, même si c'est laborieux, Algorithmiquement sur le papier, en pratique, euh, ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide qu'une euh, qu liste chaînée où je devrais me balader d'élément en élément et sauter. Alors, est-ce que c'est parce qu'introduit Spectre Meldon? Euh, non, c'est encore autre chose. Euh, c'est encore autre chose, mais ça, tu le comprendras plutôt avec les cours de système de Gabi. Euh, pour comprendre rapidement Spectre et Meldon, est-ce que tu te rappelles dans le cours que j'avais fait sur la mémoire, où j'avais dessiné l'espace le, d'adressage virtuel. Et j'avais dit tout en haut, il y a euh, l'œil de sauron, euh, qui, qui, qui représente le kernel. Quoi. Et en gros, c'est un truc qui permet de taper dans cette zone-là, euh, mais c'est pas via ce cache-là. C'est encore via autre chose. Euh, c'est pas via le cache de préfetching. Euh, c'est via un truc qui s'appelle la TLB, euh, qui est en gros le cache du Memory Mapper. Euh, vous verrez ça plutôt avec Gabi, mais non. Ça y ressemble, mais non. <laughs> euh, mais ouais, donc comprenez que euh, Vector éclate vraiment euh, profondément euh, euh, la liste chaînée. Il y a quelques cas rares où ça a du sens de faire des listes chaînées. Et même là, de têtes, là, j'en ai pas. Euh, vraiment, euh, Vector est votre ami. Hein. Vector est votre ami. Euh, du coup, je reviens. Euh, les séquentiels, on a vu on a vu leur complexité, et vraiment, en séquentiel, vraiment, tout le monde fait vector. Tout le monde fait vector, tout le monde fait vector. Euh, donc, je ne vais pas plus m'attarder sur ça. Par contre, les associatifs, c'est intéressant. Les associatifs, c'est déjà un peu plus intéressant, parce que... Euh, si on prend... La hashtable ah, Vector le dieu du mal, mais je sais pas, c'est quoi, c'est un animé votre truc, c'est un manga. Il euh... euh, y a un méchant qui s'appelle Vector, c'est ça oh. C'est sûr que c'était pas juste mal traduit, qu'il voulait pas s'appeler Victor et qu'en fait c'est les, les traducteurs qui sont mauvais Ah, SAO oh, C'est de la merde ce truc, non Je crois que c'était de la merde. Je regarde pas ce genre de truc. Moi je regarde que Jojo. Ouais. Euh, bref. Bientôt, euh, bientôt la partie 6. Euh. Euh, moi moche et méchant, je l'ai pas vu. C'est le truc où il y a les, les, les mini-mois euh, tout bleus, les, les tic-tac euh, qu'on trouve sur tout, euh, tous les mimes de boomers sur Facebook, c'est ça Je n'ai pas de culture, moi. Bref, euh, euh, on, on parlera un peu plus tard D'anime et de... D'anime de manga. <laughs> je, oh, je, je, on pourrait en parler beaucoup, mais j'ai envie de boucler ça quand même. Euh, La hash table, ici, les opérations qui m'intéressent, parce que c'est un conteneur séquentiel, euh, grosso merdo, hein, euh, c'est insert et euh, get. Et potentiellement euh, remove. La hash table... Il y a plusieurs impléments de hash table, mais euh, d'une manière euh, générale, euh, il y a toujours le coup. Vous savez qu'est-ce qui se passe quand il y a un conflit sur la sur la clé. Je rappelle extrêmement rapidement comment on fait une table de hachage. Hein, C'est vraiment euh, extrêmement rapide hein, ce que je dis. C'est euh, vous avez un tableau de euh, n éléments et euh,

et si la, la seule question c'est s'il y a un conflit, est-ce qu'on fait chaînage direct, chaînage indirect Donc on peut faire un tableau où chaque dedans, lui, il a une liste. Alors ouais, lui, sa liste, forcément, ça va être du linéaire et machin. Mais comme on fait un grand tableau avec les conflits, euh, ça arrive pas tout le temps. Un peu comme le coup du vecteur, on dit de, de manière amortie, en pratique, on est en temps constant. Et, euh, et pareil, du coup, euh, comment on fait pour récupérer l'élément Bah On fait le hash. Modulo la size, ça nous donne l'index, on prend l'élément à l'index. Simple, net, efficace. Le remove, pareil. Donc ici, la hash table, O de c'est pas pour rien qu'on la retrouve partout la hash table. Mais, effectivement, euh, qu'est-ce qu'on a perdu On a perdu toute relation d'ordre. Euh, vous arriverez parfois à avoir un système où il faut ajouter des choses, mais c'est important qu'elles maintiennent un certain ordre entre elles. Pas tant l'ordre d'insertion, mais un ordre entre elles selon un selon un ordre qui doit être présent. Euh... Du coup euh, ça, c'était la table. Je le fais plutôt rapidement. Euh, je vous épargne le fait de la coder. Vous voyez à peu près comment on fait pour la coder. Hein. La seule chose que vous retenez, c'est euh, la table, dans 95% du temps, c'est ce que vous voulez pour un conteneur associatif. Mais son prix à payer, c'est que euh, vous n'avez pas de... Il y a deux prix à payer en vrai. Euh, vous n'avez pas de... J'arrive plus à parler, c'est incroyable. Euh, vous n'avez pas de relation d'ordre. Et deuxièmement, si vous voulez hacher, mettre dans un déco un truc custom, vous devez définir vous-même un de, une fonction de H. Mais ça, euh, la doc des langages explique très très bien comment faire ça. Mais il faut définir son truc de H quoi. Mais euh, généralement, ça se fait plutôt simplement. Du coup, je passe sur euh, le BST. Le BST, c'est l'arbre de recherche euh, binaire. C'est le truc qui se cache derrière les maps euh, qui ont un ordre. Elle, comment elle marche C'est un arbre qui possède une propriété intéressante. Donc, déjà, c'est un arbre binaire. Arbre binaire égale chaque euh, élément a au plus deux fils. Donc, là, on a un exemple d'arbre binaire que je vous dessine. Voilà, un magnifique arbre binaire. Lui, c'est un peu moche. Euh, il se colle dessus. J'ai mal fait la place, mais, mais vous comprenez l'idée. Je vais l'effacer parce qu'il me stresse. Voilà. Voilà, ici, on a, on a un exemple d'arbre binaire. Et il y a une propriété qui est très, très, très intéressante avec les arbres binaires de recherche. Qu'est-ce qui fait qu'un arbre binaire est un arbre binaire de recherche Il y a une contrainte qui est très importante qui dit. Si j'ai un nombre, si je suis sur un nœud, et ça s'applique de manière récursive, hein, quel que soit le nœud, donc là par exemple j'ai la valeur 50, tous les fils à gauche, tous, pas juste mon fils direct, tous les fils à gauche, ils sont plus petits que 50. Tous les fils à droite sont plus grands que 50. Donc attention. Par exemple, euh, une erreur. Là, j'ai le droit de mettre 70. 70 est plus grand que 50. Ici, une erreur, il y a des gens qui se font avoir. Euh, ils mettraient 40 parce que 40 est plus petit que 70. Oui, mais attention, 40 est, est plus petit que 50, il n'a pas le droit d'être de ce côté-là. Forcément, ce nombre ici est forcément entre 50 et 70. Oui, c'est un truc qui me permet de... De cibler, donc par exemple 65, j'ai le droit ici. J'ai le droit de mettre 30. Ici j'ai le droit de mettre 2, ici j'ai le droit de mettre entre 30 et 50. 40, là je dois être entre 40 et 50. Vous voyez, euh, vous voyez un peu le système 45. Allez, donc la contrainte de l'arbre binaire de recherche, c'est forcément, je dois nécessairement être en euh, respecter cette contrainte pourquoi est-ce qu'on invente cette contrainte On n'a pas inventé pour le plaisir de l'inventer, dire hey « Eh les gars, j'ai inventé un truc drôle, regardez si on fait ça, et on va l'appeler comme ça et ça va être drôle. » On le fait parce que ça sert à quelque chose. L'avantage, c'est la fonction de recherche. L'avantage, c'est que la fonction de recherche, regardez ce qu'on peut faire. Si je cherche le nombre 42, autant dans une liste, dans un truc qui était séquentiel, je devais tous les parcourir. Alors certes, j'aurais pu euh, la trier et l'insérer de manière triée et tout ça. Mais si j'insère de, de manière triée euh, ma liste triée, en fait, euh, je me retrouve sans me rendre compte à, à faire un arbre, en fait. C'est ce qu'on va voir juste après. Mais, si, euh, si je cherche numéro 42, je pas besoin de regarder tout le monde. Je commence par la tête et je dis est-ce que tu es l'élément Oui, non, bon, tu pas l'élément. Tu es plus grand ou tu es plus petit Tu es plus petit, ok, donc tu vas à gauche. Là, tu es plus grand ou tu es plus petit Tu es plus grand, ok, tu vas à droite. Eh, ok, tu es plus grand, 42 est plus grand, tu vas à droite. Tu pas lui, tu pas de fils, j'ai atteint la fin, ok, bah, l'élément il n'existe pas. Et du coup, je n'ai pas regardé tous les éléments. J'ai regardé qu'un seul chemin. Et parfois j'aurai la chance, je m'arrêterai en cours de route, mais je vous rappelle de les calculs de complexité, on regarde toujours dans le pire des cas. Et ça veut dire, j'efface celui-là pour, pour en refaire un autre. Quelle est la complexité Je fais un magnifique... Euh, comme ça. Voilà, on va s'arrêter là. Euh, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 éléments. Et j'ai une hauteur, donc ça ça s'appelle la taille. Il faut pas se faire avoir. La taille, c'est le nombre d'éléments, la hauteur, c'est euh, 4. Donc la taille, c'est ça, et la, et la hauteur, c'est 4. Et en fait, vous remarquez qu'il y a une formule qui est très intéressante, c'est que euh, 2 puissance la hauteur moins 1, ça vous donne la taille. Parce que si je remplissais, euh, si je remplissais tous les nœuds ici, là, j'aurais 31 éléments pour une hauteur de 5. Et ensuite, 63 éléments. Donc, c'est des puissances de 2 moins 1 à chaque fois. Pourquoi c'est intéressant Parce que lorsqu'on fait euh, une recherche euh, dans un arbre binaire de recherche, bah, et qu'on ne parcourt pas tout, on ne prend qu'un seul chemin au pire. Au pire du pire, je vais faire un chemin. Donc, la complexité, le nombre d'opérations que je fais, c'est la hauteur. Mais si s c'est deux puissances la hauteur, moins 1, mais on s'en fout du moins 1 parce qu'on calcule en termes de complexité, mais on s'en fout, forcément, ça veut dire que la hauteur, c'est le logarithme en base 2 de la taille. Allez, le logarithme s plus 1. J'écris très mal, excusez-moi. J'efface. Je, je, je dis la même chose, mais je l'aurais écrit mieux parce que j'écris je, je, très mal. J'ai dit, la taille, c'est égal au log en base 2 de s plus 1. Ça ne devrait pas vous choquer. Vous comprenez Lui, je l'ai fait passer de l'autre côté. 2 puissance h est égal à s plus 1. Et comment on fait passer là-dessus bah, euh, On fait passer le log en base 2. Et donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que log, on peut le comprendre comme log en base n. Log en base 2, ça veut dire combien de fois je dois diviser par 2 pour atteindre 0. C'est ça que ça veut dire en fait le log. Le log en base 10, c'est combien de fois je dois diviser par 10 pour avoir 0. Et ben là, effectivement, je vais faire autant d'opérations que j'ai besoin de diviser par 2, parce qu'à chaque fois que j'avance, j'efface de mon champ des possibles une moitié des éléments. Et donc j'avance en divisant par 2, divisant par 2, divisant par 2, divisant par 2. Donc, l'algo, on va le coder. Il se code vraiment euh, d'une manière absolument triviale. Euh, bst.py. Euh, comment on fait un bst C'est d'une stupidité. Euh, allez. Je lui donne une valeur s'il si veut. En fait, on a. C'est une structure de données récursive. Euh, on a une valeur. On a un. Euh, on a un fils gauche. Et on a un fils droit. Et du coup, comment on fait pour. Euh, pour ajouter Ajouter, c'est faire une recherche. Et une fois qu'on est arrivé. Euh, une fois qu'on est arrivé euh, en feuille. Euh, on l'ajoute. Hein. Donc fondamentalement euh, Recherche et ajout c'est exactement le même euh, C'est exactement la même fonction. Mais pour l'instant je vous fais juste la fonction de recherche, par exemple. On va dire exists, qui me répond vrai ou faux si jamais l'élément existe. Euh, bah en fait euh, Euh, je devrais plutôt faire. Allez, je... Je, sens que je, je, je sens que vous avez du mal à comprendre si je fais via des méthodes. Je vais le faire via une fonction vraiment externe. Pour être sûr que vous comprenez bien. Euh... Def existe, que je prends en paramètre un, un, un tri et une valeur. C'est juste pour être sûr, je, je sens que je vais vous, vous embrouiller sinon. Donc euh... Euh... Si, euh... si tree is none. Bah j'ai rien trouvé, c'est récursif, on hein. appelle récursif. Si euh, tri.val est égal à val, bah je suis content. Euh, si tri. .val, plutôt, si val est plus petit que tri.val, alors forcément l'élément est à gauche. Euh, alors, l'élément est à gauche. Euh, donc, je vais regarder dans euh, return, return. Je vais appeler exist récursivement sur tri.left. Et si jamais c'est son fils et blablabla et blablabla. Et, blablabla. et euh, sinon, ce qui correspond à euh, val et supérieur à tri.val, bah. Je regarde si ça existe dans tri.write. C'est vraiment euh, l'algo bête et méchant. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Euh, question Je comprends pas à quoi correspond self. Euh, self, c'est juste pour dire, euh, c'est juste une notation en Python. Euh, c'est pas très important. Comprends que self, ça veut dire c'est les champs, euh, c'est les champs de la struct. Juste comprends que ça veut dire les champs de la struct. C'est euh, à l'intérieur, self c'est lui-même, c'est pour se référencer lui-même. la même manière que tu fais tri.val, bah à l'intérieur, tri il s'appelle euh, lui-même. C'est juste pour se référencer à lui-même, c'est tout. Euh... Euh, mais c'est un, un détail pitonesque, c'est pas important. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Voilà. Donc ça, on a, on a l'algo. Et euh, du coup, vous comprenez pourquoi je suis en complexité euh, logarithmique. Alors, il y a des gens qui disent, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de faire un arbre Parce que si ma liste était triée, bien, je pouvais faire, euh, je pouvais faire une recherche dichotomique. Ce qu'on appelle en anglais un hein, binary search. Euh, C'est-à-dire, on prend un tableau, on tape au milieu, et à chaque fois, on regarde si on prend euh, la moitié euh, de gauche ou la moitié droite du tableau et on avance, et on avance comme ça. Euh, et les gens, ils disent, bah, du coup, j'ai pas besoin d'arbre. En fait, il faut comprendre que c'est complètement isomorphe. Si je fais un B-Search avec un tableau, donc j'ai un, une liste et euh, j'ai euh, sa taille Euh, j'ai la, la taille du tableau et une valeur que je cherche. Euh, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est le fameux... Algo, je le fais rapidement en pseudo code parce que sinon euh, je me tire une balle. Mais euh, vous faites, vous tapez au milieu. Le middle, c'est égal à euh, n divisé par 2. Vous regardez euh, l, de, l de n. Je vais l'appeler R pour être propre. Euh, euh, si R de N, c'est ma valeur, je suis super content. Ouais. C'est pas un code qui est valide. Hein. Je vraiment en pseudo code mais si vous comprenez l'idée. Ah. Euh, si est plus petit, euh, R de middle, pardon. Si R de middle est inférieur. Plutôt si Val est inférieur à al de middle. Alors en fait, je vais appeler BSearch, sauf que je vais prendre le tableau euh, jusqu'à euh, middle-1. Donc en gros, j'appelle, mais sur le tableau de gauche. Ou je peux le faire en itératif plutôt qu'en récursif avec une boucle forte en changeant les trucs, ça revient même. Et sinon, euh, j'appelle BSearch, sauf que mon R, en fait, ça va être un R en partant euh, de middle. C'est une notation Python pour dire en gros, c'est R plus middle, mais en gros, euh, jusqu'à la fin. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est euh, à chaque fois, j'avance de moitié de tableau en moitié de tableau. Et en fait, euh, un, un tableau euh, trié, ça, ça marche que si le tableau est trié, bien sûr, hein, forcément. Si le tableau n'est pas trié, ça ne va pas très bien marcher. Hein. Mais il s'avère qu'un tableau trié est complètement isomorphe à un arbre de recherche. C'est euh, complètement isomorphe et vous pouvez faire les deux, euh, vous pouvez faire les deux sans problème. Vous avez euh, dans la lib standard du C une fonction qui s'appelle euh, dans algorithme bsearch ici et comme son nom l'indique, elle fait un binary search. Et son implémentation, vous pouvez euh, la trouver sans trop de problème. C'est juste qu'il faut lui fournir une fonction de comparaison. Mais fondamentalement, euh, ce que vous faites, c'est que vous lui passez euh, la data, vous lui passez euh, une fonction de comparaison, et, euh, et ça fait une recherche euh, dichotomique. Vous pouvez lire la, la, la man page, elle sera peut-être un peu... Oula, oula, pardon. Peut-être un peu plus clair. C'est standard, hein, c'est dans le standard du C. Cherche une fonction de n objet avec base qui est le premier élément, gna 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 Et ça devrait être stocké de manière croissante. Gna 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 gna, gna, gna. c'est une recherche dichotomique. Ici on a un exemple d'utilisation. Euh voilà, et de la même manière, euh, pour vous dire, parce que c'est euh, vraiment isomorphe, je m'avance un peu, mais en C euh, ⁇ vous avez euh, un B-search quelque part. Il y a un search, mais il y en a... Un qui fait en sorte qu'on est toujours sorté. Voilà, avec euh, partial sort ou avec les trucs comme ça. Voilà. Binary search operation on sorted range. Et il y a euh, binary search ou euh, lower bound, mais c'est pareil, mais on a binary search. Et, et on peut le faire sur un vecteur tant que vecteur est trié. Si le vecteur est trié, on peut faire un binary search dessus. Et c'est complètement, euh, complètement isomorphe. Mais si vous vous retrouvez à faire un code, à faire ça, c'est peut-être le signe que vous avez besoin de, de, de faire ça de manière euh, euh, avec un arbre, ou un truc comme ça. Mais en tout cas, ce qui compte, euh, comprenez que euh, tout ça, c'est des détails d'implem. Tout ça, c'est des détails d'implem. Parce que je peux, euh, moi, mon tableau, enfin moi, euh, moi, ce que je demande de faire en tant qu'utilisateur, moi, je te dis, euh, bonjour, j'aimerais un conteneur associatif. Je veux avoir un get. Et je veux avoir un add. Euh, je veux avoir un get et moi je veux avoir un add. Est-ce que derrière c'est une table de hachage Est-ce que derrière c'est un c'est un euh... euh... c'est un arbre de recherche? C'est un... un arbre de recherche binaire. Est-ce que derrière c'est un tableau trié Est-ce que derrière c'est juste une liste débile et je vais chercher de manière avec un truc? La complexité va changer. Mais euh, d'une manière générale, quand vous codez un truc, moi, ce que je vous conseille de faire, on en parlera peut-être un peu ce soir dans la conférence de ce soir, euh, coder une interface, il y a une interface abstraite, il y a une API qui est commune et euh, elle est indépendante des détails d'implémentation. Donc, généralement, essayer de faire cette frontière, je ne devrais pas voir dans du code euh, un euh, binary search ou un machin ou un n'importe quoi, c'est du détail d'implémentation. Moi, à un moment, mon code, j'avais besoin euh, J'avais besoin d'une structure de données euh, associative, et peut-être que dans ma vie, selon les contraintes, j'aurais besoin d'une autre, je changerai euh, de structure de données associative, je n'utiliserai pas la même. Donc, du coup, on code toujours de manière à se permettre le changement, et comment on se code pour permettre un changement On ne se marie pas à une implème, mais on, on fait une, une interface, si vous voulez, on fait une barrière où on dit. Avec un module à nous qui dit bah, ça, c'est ma structure de données. Et après, si elle change, elle change. Je pourrais peut-être l'implémenter différemment. Mais on en parlera ce soir. Donc voilà. Euh, avec ça, normalement, on a, vu, euh, on a vu tout ce qui était ici. Les seules choses qui nous restent, euh, qui nous restent à voir rapidement, c'est. Euh, euh, oui, on peut aller en pause. Alors, ça va, 3 minutes, je dépasse de 3 minutes, allez vous faire voir. Euh, la seule chose, je suis en train de boucler le cours là. Euh, la seule chose qui nous manque à voir euh, et qu'on tracera dans les autres cours, c'est les arbres auto-équilibrés, page suivante, et euh, tout ce qui est arbre et graphes pour vraiment les modéliser. Mais là normalement j'ai à peu près bouclé ça parce que ça vous les avez déjà pas mal manipulés. Donc ça ça devrait plutôt, euh, plutôt se jouer plutôt bien. Ou si vous voulez, on refera des exercices avec Serge euh, Bah dites-moi une fois de plus j'attends de vous que vous me, me dites. Donc maintenant ça nous donne à peu près le la, la reste des choses à voir. Oui, on peut aller en pause, nia euh, un tableau non trié est également isomorphe à un tableau trié, bah euh, bah non, enfin pas dans ce cas-là. Enfin, je peux pas faire une recherche dichotomique sur un tableau non trié, ça va mal se passer. Allez. Euh, du coup, allez. Euh, je vous lâche. Allez manger, vous l'avez mérité. Moi je vais me faire une salade. J'adore manger des salades. Et euh, je vous souhaite euh, une excellente journée. Vous avez des courses d'après-midi. Euh, ce soir je fais ma conférence à 20h. Je vais essayer de cesser un tout petit peu avant. Euh, on fera du live coding on fera des machins on va s'amuser euh, je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas dites-moi euh, dites-moi euh, les choses que vous voulez qu'on qu traite vraiment je termine sur ça euh, si vous me dites rien, commencez pas ou euh, euh, le cours suivant en commençant en disant euh, donc, du coup, euh, vu que ça s'était bien passé, euh, on va s'attaquer euh, au graphe, par exemple. Je une connerie, et que d'un seul coup, vous me dites ah non, finalement, euh, il faut que tu reviennes sur trait qu'on fasse des exercices avec ou n'importe quoi. Il ah, bah, faut me le dire. Donc, vraiment, c'est de votre responsabilité. Dites-moi en avance de cours les choses dont il faut qu'on parle. Dites-le euh, dans le forum, dites-le sur le chat, dites-le euh, whatever. Euh, ouais, sur le forum c'est bien, ou sur le chat, ou n'importe quoi, mais discutez avec moi parce que sinon, moi je sais pas, c'est les choses qu'il y a à faire. Allez, euh, je vous embête pas plus, allez manger, gros bisous.